caught switching, you were picking sides. Don't blink, caught slipping like a slip and slide. I was shooting dice till I got a nosebleed. Money on the floor, can't get cold feet. Took an L, should've put it in the offering. Lord, forgive me for my sins, don't off me. Scary thoughts, I got scary thoughts. Lost control, now I'm taking charge. Breaking bills, friends breaking off. You could be the youngest, I'm the dawn. Kiss the ring, nah. In the scene like G.O.T. Stay awake, don't sleep. Like Jon Snow, get R.I.P. Remember those days, those L's, I couldn't sleep right now. I get paid, fake game, staying peace. I breaking the blues over steak, I gotta eat right. You could be my peace sign. I don't need that energy around me. I just need sun, you're so cloudy. I wake up good, you're so grouchy. Please get from around me. Just me, myself, and I, my favorite threesome. Yeah. The cars I drive, I buy, I never lease them. No. They say if you can't beat them, then you join them. No. That's no option, I don't join, I always beat them. Yeah. I was fake, you had to find me. Now I'm on B, skating like I'm grinding. L hit me, said it's all about the timing. If you want the vision, get to spinning. My mama told me trust in God, it's never limits. Now I'm on the scoreboard, running up the digits. I put in work, you know I'm up to get it. Early bird gets the worm and the Yankee fitted. Like, whoa, bags under my eyes and you know. Won't complain, I'm tired, I'm on go. For that grip, 10 toes till they swole. For that grip, 10 toes till they swole. Remember those days, those L's, I couldn't sleep right. Now I get paid, vacay, I'm staying B-side. Breaking the blues over steak, I gotta eat right. You could be my peace sign. I don't need that energy around me. I just need sun, you're so cloudy. I wake up good, you're so grouchy. Please get from around me. Remember those days, those L's, I couldn't sleep right. Now I get paid, vacay, I'm staying B-side. Breaking the blues over steak, I gotta eat right. You could be my peace sign. I don't need that energy around me. I just need sun, you're so cloudy. I wake up good, you're so grouchy. Please get from around me. When the truth don't work, you start telling lies. Thought you were down the ride, you weren't down the ride. Caught switching, you were picking sides. Don't blink, caught slipping like a slip and slide. I was shooting dice till I got a nosebleed. Money on the floor, can't get cold feet. Took an L, should've put it in the offering. Lord, forgive me for my sins, don't off me. Scary thoughts, I got scary thoughts. Lost control, now I'm taking charge. Breaking bills, friends breaking off. You could be the youngest, I'm the dawn. Kiss the ring, nah. In the scene like G.O.T. Stay awake, don't sleep. Like Jon Snow, get R.I.P. Remember those days, those L's, I couldn't sleep right. Now I get paid, vacay, I'm staying B-side. Breaking the blues over steak, I gotta eat right. You could be my peace sign. I don't need that energy around me. I just need sun, you're so cloudy. I wake up good, you're so grouchy. Please get from around me. Just me, myself, and I, my favorite threesome. Yeah. The cars I drive, I buy, I never lease them. No. They say if you can't beat them, then you join them. No. That's no option, I don't join, I always beat them. Yeah. I was fake, you had to find me. Now I'm on B, skating like I'm grinding. L hit me, said it's all about the timing. Tac, salut à tous, footeuses et footeux d'une famille, c'est Thomas, comment ça va en ce mercredi, hein, on sait plus où on en est évidemment avec la Coupe de France, il y a des matchs tous les jours, c'est parti, le match commence dans 13 minutes les amis, toujours complication à trouver les compositions d'équipe, la compo de Lille est là, la compo d'Épinal, je l'attends toujours évidemment, c'est comme ça que ça se passe, il y a toujours pas de compo, non c'est pas grave, c'est un peu dégueulasse pour les amateurs, en tout cas. La musique d'avant était quand même meilleure, je trouve. Bah, faut changer, Guillaume Urban. Faut changer un petit peu. Faut s'adapter, évidemment, au goût des autres. Excellent film, d'ailleurs. Salut, Alcoïto Magique. Salut, Malcolm 14. Salut, Trauma. Salut, Baptiste Noir. Neu Gaming. Ah, je toussais pas avant que je parle, je tousse. Salut, Lucas 11. Qu'est-ce qui se passe, Malcolm 14? Qu'est-ce qui t'arrive? Merci, l'ami. Allez, Lille, allez, Lille, allez, Lille. Et plein de Lillois, évidemment. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de fans d'Épinal. En tout cas, on verra. On suivra, évidemment,
Pau Paris, les amis, qui est important sur une pelouse absolument abominable. On suivra aussi d'autres matchs, les amis. Je vous ai mis d'autres scores. Il y a un petit peu de Copa del Rey avec Leonessa, Valence. Il y a Rayo Vallecano, Villarreal. Donc il y a plein de queutrues. Rennes-Nantes, vendredi, c'est le derby. Ça, vous êtes au courant. Et à suivre, les amis. J'espère qu'on fera. Donc il y a Nice-Lyon demain à 20h45, il y a le tirage au sort de la Coupe de France des quarts de finale qu'on fera juste avant, et juste après il y a West Ham contre Liverpool. Voilà pour la grosse soirée, ou la grande soirée, ça dépend évidemment. Salut Missile Félix, salut Prozaï, t'as toujours le coronavirus, mais j'ai jamais eu l'ami, jamais eu, mais c'est long. Mais non, mais je toussais pas de la journée, j'ai fait des queutrues, je me suis débrouillé pour bientôt installer mon nouveau fond vert, en tout cas améliorer mon setup, réfléchir à d'autres interfaces pour me préparer pour l'Euro, en tout cas. T'as mis SSE à la place de Lille. Mais exactement, l'ami. La côte d'Épinal est de 13 contre 1. La côte de Lille. Pas bien. Je serai fouetté en public, évidemment. Je vous communiquerai le jour de cet événement fantastique. LOSC, voilà, c'est parfait. Hop. Alors, salut Vincent Parfout, comment tu vas? J'espère que Paris ne va pas mettre ses stars. Ah bah, la composition d'équipe de Paris, l'ami, c'est pas... Il n'y a pas les stars, évidemment. Il y a du Choupo-Moting, il y a du Icardi. La seule star, entre guillemets, c'est du Icardi, encore une fois. Merci Vulvette Comi, merci pour la compo. Donc, le match est sur Eurosport, donc le duplex, avec Pau, Paris Saint-Germain, Épinal, Lille, et sinon les matchs à part, on va dire, ils sont sur Eurosport 360, toujours particulier, Eurosport Player, hein. C'est 5 balles, évidemment, par mois, 6 balles. Alors ceux qui sont fans de tennis, évidemment, c'est génial pour eux, mais ceux qui sont pas fans de tennis, franchement, juste payer pour la Coupe de France, ça fait un petit peu rêche, même si, évidemment, il n'y a pas Alors, je vérifie quand même parce qu'on ne sait jamais avec eux. Il ne sait jamais avec eux. Alors, à suivre ici, il n'y a rien. Alors, pronostic de Lille. Est-ce que Épinal, les amis, est-ce qu'Épinal peut faire, à votre avis, un exploit et pourquoi pas sortir une grosse équipe? On a vu Belfort hier être assez énorme. Je vais mettre le chat ici. Mbappé démarrer sur le banc. Bah, tu m'étonnes. Salut Antoine Boiteux, comment tu vas? Gatti qui fait jouer en jeune forme. Ouais, Boca, c'est qui Raphaël? Salut Valentin Lefebvre. Salut, bonjour, c'est sur quelle chaîne? Alors, je viens de dire justement Eurosport 2 pour le duplex avec Paris qu'on va suivre évidemment. Vous inquiétez pas, je vous ai préparé ça ici, le gros score ici de Paris. Et Eurosport 360, je suis en train de vérifier évidemment. Il n'y a toujours pas la prise d'antenne, donc ça pose des questions quand même pour. C'est incroyable comment c'est mal foutu. Alors, je gueule pas évidemment, hein, mais déjà. Pour l'histoire des compositions d'équipe, normalement qui sont sorties une heure avant, tu peux aller voir les coachs, même des équipes amateurs, pour demander qui a aligné. Bah non, il n'y a pas non plus. Et là, Eurosport 360, donc à suivre, les amis. D'accord. Ça a l'air compliqué, hein. Compliqué. Épinal va gagner. Je te vois en grand TV, image UHD, c'est différent que smartphone. Ah, tu m'étonnes, ami. Tu vois tous mes défauts, tous mes rides. Truc de ouf. Tu vois que je suis vieux. Épinal perd, craqué par les supporters d'Épinal. Salut Thomas, tu fais West Ham Liverpool. Ouais, West Ham Liverpool. Je suis fan du SAS, les boutons d'or, dit Isabelle Cole. Salut Romignoudou. Les images, non, Zoé. Yo Thomas, comment tu vas, Ibrick Liverpool? Alors, je suis en train de chercher Eurosport 360. Épinal Lille. Voilà, parfait. À suivre. Donc ça c'est bon, j'ai trouvé le 8ème de finale. Donc la chaîne c'est Eurosport 364. Truc de ouf hein, quand même. Bon l'ami à tous, je pars entraînement de foot. Te blesse pas l'ami, hein. Il y a beaucoup de croisés actuellement, te blesse pas. Alors, le pronostic d'Épinal Lille les amis, allez-y, donnez-le moi. Le pronostic d'Épinal Lille les amis, c'est vraiment important de le savoir. Est-ce que Belfort qui a fait un arrêt, je parle du gardien de but qui a fait un arrêt extraordinaire hier contre Montpellier, est-ce que Épinal peut encore une fois sortir une Ligue 1? Parce que là, il y a Rennes de qualifié, il y a Dijon de qualifié, il y a Belfort de qualifié, il y a Saint-Etienne de qualifié. Monaco est sorti, les amis, quand même énorme. Monaco et Montpellier, quand même des équipes du top 10 du championnat de France. Hein. Monaco devrait être plus haut. Il y a donc ce soir Marseille-Strasbourg, il y aura encore une Ligue 1. Là, il y a Pau-PSG. Évidemment, Paris est super avantagé, super favori. Il y a Lille-Épinal.
Donc il peut y avoir potentiellement, pourquoi pas, une Ligue 1 d'éliminer. Demain, il y a Nice-Lyon. Donc je trouve que les monstres qui restent, c'est... si ça passe, hein, c'est Paris. Si ça passe, encore une fois, c'est Lyon, Marseille, voire Rennes ou Saint-Étienne. Tu vois, Rennes est le tenant du titre, évidemment, qui voudra la garder. Donc évidemment, c'est quand même assez intéressant. Cette Coupe de France est ouverte. Et je trouve que les petits clubs se battent à fond. Et ça, c'est cool. 12-2. Ah, il recommence, Mohamed Ali. Il est relou. Lui, on va le bannir définitivement. Hop, voilà. Salut Coxy Gaming, comment tu vas? Abonne-toi à ma chaîne. Oui, l'ami. 2-0 pour Emeric, 2-4 pour Abdel, 12-2 pour Épinal pour Stan Stepes. Alors là, la cote à 12-2, elle doit être énorme. 2-1 pour Épinal pour Guillaume Caco, 1 pour Mosey Simons, je sais pas. Un Nantais. J'ai bloqué l'autre Mohamed Ali parce que là, il était un petit peu relou. Alors, jour de coupe ici, les amis. J'attends avec impatience la composition d'équipe d'Épinal, serait énorme. Et c'est toujours la pub. 18h23 de la pub pour Tropicana. C'est assez énorme ce que fait Eurosport quand même, les amis. C'est fou quand même, je comprends pas. Après, il faut qu'ils rentabilisent évidemment parce qu'ils ont très très peu d'audience. A voir. Qualification de Épinal, Pau, Strasbourg et Nice. Salut Ous, comment tu vas? 2-0 pour Lille. Lille, les amis, au classement, voilà. Ils sont bien, mais il y a un match aussi intéressant ce week-end. Hein. Faut quand même voir ce qu'il y a en Ligue 1, les amis. Hop, je vais sur la Ligue 1 ici. Hop. Voilà. J'habite à Épinal, mais il n'y avait plus de passe. Ouais, d'ailleurs, à Épinal, l'ami, il y a combien de. Dis-moi, de contenance dans le stade. Et c'est où déjà? Donc, il y a PSG Montpellier, il y a Dijon Brest, Amiens Toulouse, Lille Strasbourg. Ah bah, du coup, tu vois, Lille Strasbourg, ils jouent ce soir, ils jouent samedi, tu vois. Donc, ce sera des gros matchs de foot. Allez, c'est parti, les amis. On est parti avec Épinal Lille. Toujours pas sur Eurosport 360, il est 18h24, c'est génial, ils prennent l'antenne de ouf. Eurosport, ah, c'est pas terrible. Allez, le SAS qui dit, allez, composition d'équipe, on est du côté de Pau, je crois. Donc, on est en train de voir les jardiniers, justement, à Pau, les amis, qui sont visiblement un petit peu, pas dégoûtés, mais par rapport au, comment dire, par rapport au, à la pelouse, à du sable, un petit peu. On a écouté Bruno Herles hier dans le Canal Football Club, l'entraîneur de Pau et consultant de Canal+, qui disait que bah, c'est comme ça. Pourtant, Pau n'est pas un petit village, c'est quand même une ville assez importante du sud de la France. Donc, c'est quand même bizarre qu'ils aient un terrain de rela comme ça. 3000, hein, ok. Il y a Arojo titulaire, désolé Épinal, mais malheureusement c'est fini pour vous dire Raphaël. Salut Antoine Bouteloup, comment tu vas? 5000 places, salut Thomas. Ça va, j'espère que Paris va écraser Pau. Lille, c'est Flunch. Je comprends pas l'ami, Lille c'est Flunch. Allez, on est parti les amis, j'espère qu'ils vont prendre l'antenne dans pas longtemps sur l'autre chaîne là, qui c'est incroyable quand même, ils prennent l'antenne quand en fait? À suivre Épinal Lille, National 2. C'est quand même flippant ce qu'on est en train de voir comme les amis, hein. Franchement. Turel c'est un fou, il met Icardi contre Pau. Ouais, bah c'est vrai que Cavani les amis, avec ce qui se passe, c'est un petit peu bizarre. Mais bon, c'est comme ça, Épinal c'est dans les Vosges, la ville la plus proche c'est Nancy. Et pourquoi je joue pas à Nancy du coup alors? Après j'en sais rien, hein. Pourquoi je joue pas à Nancy? Comment on appelle ça, les chardons? Non, comment on appelle ça à Nancy déjà? Le surnom? Eurosport sont pas du tout personnels. Bah, c'est une bonne chaîne, mais pour le foot, en tout cas, j'ai vu les joueurs de Lille en VIP hier. Oh, Mathéo, c'est cool, ça. Les amis, bombardez la barre des likes, n'hésitez pas, hein. C'est gratuit, c'est sous la vidéo, évidemment. Et n'hésitez pas non plus à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Le live est sponsorisé, les amis, par OnePlay, l'application, le réseau social de football qui va débarquer bientôt sur vos écrans de smartphone. Donc si vous voulez avoir une surprise les amis, n'hésitez pas à mettre votre mail dans la description. C'est juste le premier lien qui se trouve en dessous le descriptif du match. Donc n'hésitez pas les amis, c'est le sponsor de la chaîne. Il n'y a pas que, je parlais à la mi-temps pour la petite page réclame évidemment les amis. J'attends toujours sur Eurosport 360. Pour l'instant on est sur le live Eurosport de Paris Pau. Je vais aller sur une autre chaîne. Ça me fait un peu flipper cette histoire quand même. Épinal à suivre. Tennis Open d'Australie, ça c'est bon. Paris va gagner. Tu as Snap, ouais. Tu fais point d'exclamation Snap l'ami et tu trouves directement mon Snap l'ami. On se pense c'est mieux avant. Ouais, bah, pardon. Il est parti à Canal. Donc à voir. Alors, à bateau sur Eurosport, à bateau sur Eurosport. Je ne sais pas ce qui se passe par rapport à. Il y a du billard, on s'en treuve complètement. À moins qu'il y ait des gens qui jouent au billard, les amis, sur le chat.
Parce qu'ils ont prévu sur Eurosport 360. J'espère que c'est pas des conneries, parce que sinon ça va un peu me saouler cette histoire. Hier déjà on a loupé 22 minutes du match Monaco-Saint-Etienne, ça m'a vraiment saoulé. Et hop. Bonsoir Instagram, comment tu vas? Alors ça c'est Pau. Alors Pau, donc il y a Pau sur Eurosport 360, ça c'est bon. Et je suis en train de flipper un petit peu ma race là, les amis. Parce que là, pour l'instant... Attends, Pau. Donc ici peut-être. Ah, voilà. C'est bon, c'est parti les amis. Le match est arrivé, je vais pouvoir faire la composition d'équipe d'Épinal. Donc c'est un 5-3-2. On est parti enfin. J'ai ultra flippé, sans déconner, j'ai eu très 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 peur. J'ai cru que j'étais un petit peu dans la panique. C'est pas grave, on va mettre Épinal ici. Hop. Donc la composition d'équipe va sortir un petit peu plus tard. Vous inquiétez pas les amis, on est parti en tout cas. La bonne chaîne est là. Épinal Lille dans un stade donc un petit peu yeuve. Mais on va pas non plus se plaindre. Tu peux m'enlever Modo sur mon deuxième compte. Je sais pas comment je vais pouvoir faire ça, l'ami. Et te mettre sur le... Non, c'est toi, Raphaël, ou pas? Ah oui, parce que ça se trouve, c'est des blagues. Hein. Alors, Épinal Lille, on est parti, les amis. Les compositions d'équipe sont là, on est 113. Raphaël est suspendu. Ah, c'est un fake. Allez, Eurosport 360. Et d'un côté, j'ai Eurosport... Eurosport 3. Eurosport 2. Allez, on y va. Vos pronostics, on est 111 sur le chat. On suivra évidemment Wolverhampton, Liverpool. Wolverhampton, non. West Ham, Liverpool, juste après, les amis. Ça va être, j'espère, un match énorme. C'est un match décalé. C'est la J18. Hein. Ça avait été décalé pour cause de. Il me semble que c'était par rapport à. C'était par rapport à quoi déjà? Il me semble que c'était par rapport à la Coupe du Monde des clubs. Hop, le chat il est là. Épinal, c'est sur Eurosport 360 4. Truc de ouf. C'est un faux Raphaël V, l'ami. Tu vois, j'ai eu raison. Comme quoi, je suis vraiment vigilant de ouf. On est content pour toi. C'est dingue, les mecs. Hein. Bah. Il y a des endroits spécialisés pour ça, l'ami. Hein. Sur quoi, Épinal? Sur Eurosport 360, l'ami. Le match va commencer dans pas longtemps. C'est un 5-3-2, les amis. 3-4-3 ici. Allez, on y va. Le match va commencer. Ça va être, j'espère, un match cohérent pour les équipes pro. En tout cas, c'est un arbitre de Ligue 1. L'arbitre, c'est Jérôme Miguel Gori, les amis. Bon match à tous. Hein, en espérant qu'on kiffe un petit peu. Qu'on ne vive pas non plus un match à deux vitesses. Allez, coup d'envoi. On y va avec Iconé. Ah, c'est très très calme, hein, les amis. Truc de ouf. Allez, le coup d'envoi va être lancé dans pas longtemps. Ça aurait été fou hier. Ah ouais, c'était énorme hier. C'est parti, les amis. Le coup d'envoi de cet Épinal Lille. Bon match à tous. J'espère que ça va être cool. Allez, avec le ballon directement sur la tête de Boca, le jeune là. Qui peut se ban soi-même. Salut Thomas. Le snap c'est vraiment Thomas par le foot hein. Tu cherches tranquillement, tu trouveras. Avec Xavier Collin, c'est l'entraîneur de cette équipe. Allez, je me mets ça là. Avec le pressing là, de Makengo. Makengo qui n'est pas celui de Lille. Avec Bouakare Soumaré pour Rémi. Pressé par Collin. Avec l'accélération maintenant de Biron là. Il est parti plein de balles, c'est encore Makengo. Et la grosse faute peut-être, la première faute. Et Jérôme Igagori qui siffle, la première faute évidemment. La pelouse du pot c'est une honte, Hugo Ayet. Dis-moi que t'as reçu ton maillot l'ami. Salut Christophe Pedro, comment tu vas? Comment tu vas mon ami? Là, je vais vous mettre le chronomètre juste à côté des amis là de... D'ici. Avec le premier coup franc qui va être tiré par tapé ou tape. Surtout ce tape. Le stade du Hameau. Top. Ancien joueur de Ajaccio. Dégagement de Bamba. Ça remet derrière. La grosse frappe de loin. Au-dessus des cages de Bac Maignan. Et toujours 0-0 les amis de Pau PSG. On suit un petit peu de Copa del Rey.
Salut Christophe Pedrolo, comment tu vas? Soutenez votre équipe, vos couleurs, ouais, les couleurs de l'Épinal, c'est du jaune, hein. Donc, imagine le scénario où Icardi se blesse 3 mois. Je suis d'accord avec toi, Ous. C'est vraiment ultra honteux, mais après, c'est comme ça. Tu vas pas non plus. Parce que si tu mets Choupo-Moting, si tu mets pas Icardi, il y a pas de raison, tu peux même pas Cavani, tu vois. Donc, à mon avis, c'est acheter la paix sociale de ouf, pour moi en tout cas. Ouais, dégagement de Maignan. La défense de Borodin, là. Avec au milieu de terrain maintenant pour taper, avec Colin, c'est contré directement. Avec la défense pour Léonard. Avec sur le côté, Léonard encore une fois qui redonne au gardien Idir, qui n'est pas le chanteur algérien, qui est une bombe d'ailleurs. J'adore. Oh, c'est fou ça. Et Épinal, c'est dans les Vosges, l'ami. Ah, Hugo Ayès, ça commence à m'énerver cette histoire. J'ai un autre partenaire de maillot, on me parlera à la mi-temps, donc je vais essayer de gérer autrement parce que ça va me saouler. Et puis, si t'en sois deux, tant pis. Mais moi du Brésil, pareil, il a été perdu, j'ai l'impression, par les transports. Allez, maintenant pour taper. La récupération maintenant pour Jonathan Bamba avec la récupération sur Arojo, la première sortie de balle avec le jeune Eric Boca là. Le dédoublement tranquillement pour Bamba, l'extérieur du pied, côté gauche, le centre dans les grands délires et dégagé par Gassé, le capitaine là. Oh, c'est bien joué. Tu vas bien, c'est ça qu'on supporte. C'est ça qu'on supporte. Lui, il gagne 3-0. Salut Versace, tu parles de quoi Maillerob. 0-0 toujours avec Bukayo Soumaré pour Boca. Boca qui est pressé par Borodin. Là, il met derrière avec Diallo et Gabriel. Avec Mac Maignan. Je vous fais la composition d'équipe, ne vous inquiétez pas, les amis, je vous oublie pas. Hein. La composition d'équipe de. Hop. Avec pied maintenant. Le ballon, la petite faute. Makengo est très très bien en ce moment, Makengo. Hein. Très puissant. Le sorti de Jérémy Pied, les amis, là. Et je vais pouvoir faire la composition d'équipe enfin. Idir. Champ de patate. Non, non, non. Tu, ouais, ouais, c'est vrai que tu as deux maillots de la Juve. Mais je vais renvoyer un parce que c'est relou. Allez, le coup franc. C'est bien joué par Borodin avec la défense. Et qu'est-ce qu'ils font les Lillois? Avec Diallo maintenant, pressé par Makengo, avec Boca, le pressing de Léonard qui est aux avant-postes, et ils font un pressing, et récupère le ballon. Épinal en train de dominer, les amis. Ah, le but de Gélin hier, j'ai pété un plomb. Alors si vous avez rien à faire, les amis, ce serait cool, juste comme ça, mais de faire des petits montages de mes plus gros cris. Je crois qu'il y a eu... Le but de Camavinga contre Lyon là, et le but de Gélin hier. Match de fou. Hier, franchement, c'est con, hein, Angers-Rennes. Mais j'ai commenté l'un de mes meilleurs matchs, quoi. C'était incroyable. 5-4, c'est fou, quoi. C'est historique. C'est comme le 6-3 de Dijon-Saint-Etienne ou le 5-4. Il y avait eu un Marseille, je sais plus quoi, Lyon, je crois, en Coupe de France. Avec le ballon maintenant pour Makengo, encore une fois, qui cherchait sur le côté Crasso. Et c'est la touche pour Boca. Salut Théo Gamer. Allez Lille, dit RP Gamer. Avec Boca encore une fois qui. Ça joue beaucoup sur le côté droit de Lille. Peut-être pour l'inexpérience, la récupération de Tapé là. Qui cherche sur le côté gauche pour Luvalu. Oh ! Ouh, l'occasion énorme pour Biron. Oh, la grosse action. Et Lille est dominée. Comme contre Gonfreville, ils avaient du mal. Raphaël Velsin, l'arbitre de la variole, il est en sueur, je pense, là. Il est en train de. Je pense qu'il est. Il a enlevé une couche déjà. Pas une couche, une couche de vêtements, hein, pas une couche, aucun rapport. Oh là 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 là. Ça commence fort, les amis. Hein. Trop bien hier, tu m'étonnes, c'était ouf. On était plus de 800, je crois. C'est incroyable. Avec le ballon. Ce qui m'a énervé, c'est qu'on a loupé le début du match de Monaco. Bref, ça, c'est pas ma faute. Allez, Idir. Et domination de Épinal, les amis. Allez, hop, paf. Salut Aurélie, comment tu vas? Alors, on a un gamin de 6 ans là, il a mis sur le chat. Oh. Allez, le dégagement, Didier. Alors, on signale Raphaël V en jaune, pas Raphaël Velsin avec la pépé là et le petit bonhomme. Et la clé, on signale juste Raphaël V. Ouais, comme ça, on signale comme harcèlement et intimidation. Non, non, on s'en fout. Raphaël V, c'est un triton. Lille, on est là ou pas au cheater. Bah, c'est bof, hein. Oh, la faute peut-être sur Sheka, le Portugal, qui reste à terre. Thomas,
Ouais, Montpellier 5-4. Ah oui, c'est ça que je cherchais. Ah oui, 5-4 avec le. C'est Courbis qui était à l'époque. Il y a la VAR. Non, la VAR, c'est en demi-finale. Ça va, Nico, comment tu vas? Le SLS va gagner et venger les voisins de Raon l'étape, dit Amélie Marshall. Il y a la VAR. Non, la VAR, la VAR c'est pour les riches, Hugo. La VAR, c'est comme les maillots, tu vois. Ça arrive quand tu veux. Ah, avec le ballon pour le premier corner. Et c'est Ikoné qui va le tirer. Ikoné, je pense que c'est le capitaine de l'équipe, hein, à mon avis. Au moins que ce soit Maignan. Ils n'ont pas signalé ça, en tout cas. Avec le ballon pour Rémi, là. Il y a la défense Garcia-Sangaré qui se positionne. Le corner à deux. Donc c'est Sheka avec Ikoné, corner à la Rémoise peut-être. C'est rentrant, c'est fond de réparation. C'est loin. La tête de Diallo. Ça laisse tranquillement partir par... Par Léonard. Et dégagement pour Idir. Merci l'ami. Si ça se peut, c'est Dexter d'hier. Ouais, c'est ça. Il est vénère, mais c'est un pauvre petit bonhomme sans vie. C'est triste d'avoir, de pas avoir de vie, les amis, à son âge. Même, il a même pas d'argent pour les jeux vidéo. Il a plus d'argent pour les skins Fortnite, tu vois. Il a plus de lait. Donc il est en panique, le mec. Il veut insulter, tu vois. Avec le ballon. Maintenant pour Sheka. La récupération de Rémi pour Ikoné avec Jonathan Bamba, le petit pont validé sur tapé avec le Grémi, le premier but peut-être, le golazo. Le golazo pour Lille. Et Mehdi qui prend 300 secondes, catastrophe lui, ami. Mehdi, remets-le, ouais. Des buts de Lille. Et Rémi qui marque des buts, hein. Le 1-0. Et donc, tu peux juste remettre Mehdi. Mehdi, tu ne spoiles pas, ça sert à rien, sinon tu vas voir ailleurs, l'ami. Débloquez juste Rémi, s'il vous plaît, les amis, c'est un peu violent quand même. C'est premier avertissement. Allez, avec 1-0 pour Lille. Le but de Rémi. Et Rémi marque des buts de ouf, hein, en ce moment quand même. Hein. Et Rémi, à la 8ème minute de jeu, ça commence sur une erreur. On me dit, c'est pas contre toi, l'ami, mais franchement, voilà quoi. Versace, pareil, ne spoil pas, tu vois. Yo Darkling, comment tu vas? Tu peux remettre Mehdi alors, l'ami, ou quoi? Avec c'est bon, je le remets. Ah non, il est pas remis. Ah, merci. But pour le LOSC, inscrit par l'incroyable Rémi. Salut Veille des Bays, Rémi au taquet. Carrément, il est chaud en ce moment. Les amis, ne spoilez pas, s'il vous plaît. Soyez cohérents, soyez... Sympa, et les gens qui n'ont pas les images, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont Eurosport 360, donc les amis, ne spoilez pas, ça sert à rien. Même si vous êtes content qu'il y ait un but pour votre équipe, ça sert à rien à part faire son intéressant, les amis. Comprenez-moi. Et t'as remis Rémi. J'ai pas le temps, Hugo. J'ai pas le temps de geeker, rien du tout. Avec le ballon pour Soumaré, là, avec la récupération de Diallo. Déjà 1 but à 0 pour Lille, qui pour l'instant fait le taf, en tout cas, les amis. En une passe, ils ont été au rendez-vous, les mecs, hein, quand même. Franchement, chapeau bas. Rémi, en ce moment, il est chaud. Hein. Il remplace Osimhen au pied levé, mais ça le fait, quand même, franchement. Avec le ballon maintenant, le centre de pied et la remise de Colin. Salut Laurent Maxime, comment tu vas? C'est sur Eurosport 360. Wawa. Ah, le contrôle mauvais, le tacle magnifique de Diallo, là. Contre-attaque de Biron. Et en tout cas, il se laisse pas faire, ça qui est fort. Il se laisse pas faire, ça qui est bien. Allez, taper à gauche. Le ballon pour Makengo. En tout cas, la possession de balle, je vais la mettre, les amis, si on l'a, d'ailleurs. Parce que souvent, c'est pas le cas. Allez, ballon maintenant pour Diallo qui dégage. Et ils sont pas... Ils sont pas sereins, les Lillois, les amis. Hein. Pas sereins de ouf. But du LOSC, quoi, fusion. Rémi, c'est bonne pioche. Ah ouais, carrément, franchement, il fait... Il est bien, hein. Honnêtement, il est vraiment bien. C'est pas fini, hein, les Spinaliens, les amis. C'est pas fini encore. Hein. Avec Biron et Crasso et Makengo devant, c'est intéressant. Je vous mets la composition d'équipe d'Épinal.
Le ballon qui revient sur Sangaré qui va remettre sur son gardien Idir. Allez, le capitaine Gassé qui va proposer, Loïc Rémy qui va presser un petit peu, c'est le dégagement de Didier qui cherche sur le côté Borodine, la tête de Boca avec Jonathan Ikoné maintenant, il est pressé par 2-3 joueurs, la pelouse est mieux qu'à Pau avec Arojo, oh la récupération magnifique de Léonard, et le ballon côté gauche maintenant, c'est poursuivi par Boca qui est le plus rapide entre Biron et Boca, oh c'est bien joué par Boca là. Et puis là, il n'a rien à perdre, carrément, ça va être carrément ouvert hein. Allez, avec la tête de Gassé pour Léonard. Allez, le ballon, c'est Gassé, pardon. Avec Diallo. Oh, Diallo, les amis lillois. Diallo, c'est quand même ultra, ultra faible. Sans déconner, c'est dramatique. Choupo met le feu, c'est vrai. Oui, Rémi, qu'est-ce qu'il y a? Le sas, allez, Dinoa. Avec... Diallo qui laisse pour Mike Maignan. Allez les amis, Diallo c'est quand même pas une... Merde. C'est pas une réussite hein, l'ami Diallo. Hein. Avec Jérémy Pied sur le côté droit. Avec sur le côté gauche maintenant pour lui a vu. Il a voulu, pardon. C'est bien joué, le dédoublement. Et le centre dans l'axe. C'était le... Ah ! C'était pour taper, là. Pour taper, peut-être, ou taper. On va y arriver dans les prononciations. Avec Bamba qui récupère au milieu de terrain. Avec Crasso, c'est bien joué. Ah, ils en veulent, les Spinaliens. Il est passé et c'est contré. La touche pour Lille. Comment dire ? C'est bien ce qu'ils font, les Lillois, hein, c'est clair. Mais ils jouent plutôt en contre. Contre une équipe de National 2. Allez, Pinal. Un partout, tu dis à la mi-temps, Iman. Ok, Naruto, comment tu vas, l'ami? Salut, Cheyenne. Salut, ça sent un peu sur vidéo. Ça va carrément bien, l'ami. J'avais pas vu, je suis vraiment désolé. Mais t'inquiète pas, Mehdi. Ouais, on banne définitivement, tu vois, les gens. Quand ils sont vraiment de mauvaise foi, tu vois. Versace. T'as spoilé l'ami, Verzace. Faut pas spoiler l'ami. Faut attendre qu'il bute, tu vois. De toute façon, je suis en train de voir avec mon opérateur pour plus avoir de décalage, les amis. Ne vous inquiétez pas. D'ici, j'espère, la Champions League sera réglée. Au pire du pire pour l'Euro. Mais il y aura bientôt plus de décalage. Allez, ballon pour Bamba. On évolue aussi, hein. Ça va être, c'est des coups pour moi, mais bon. Avec ballon pour... c'est bien joué pour Borodine qui lance Crasso. Le contrôle un petit peu à l'arrache pour Crasso. Il passe, il lance au côté droit. Ah, la bonne défense de Gabriel, c'est bien joué. Il est pressé par Biron, Gabriel, là. Il va défendre. Il dégage à l'arrache. Et la récupération au milieu de terrain peut-être pour les Spinaliens. Avec Léonard maintenant pour Gas, le capitaine. Avec Colin. Oh, ça joue bien pour Épinal, j'ai ça. Et puis il faut me contrôle. T'inquiète, Versace. Salut, Sinal, comment tu vas? Ouais, mauvais dégagement de Maignan. Allez, je vous mets la compo ici, les amis, de d'Épinal. Oh, l'occasion! Et peut-être la réduction du score de Crasso, là. Il va frapper côté gauche. La frappe le centre dans le petit filet. Et le 6 mètres. Oh, énorme. Les Lillois sont en difficulté. S'il n'y a pas eu ce but, les amis, franchement, j'aurais peur. Raphaël Velsin, là, il est en panique complète. Il vient d'appeler les pompiers là, à l'instant. Salut Antoine MGR. Épinal, c'est sur Eurosport 360, les amis. Allez, avec Épinal. Ici, la composition d'Épinal, enfin qui arrive. D'ailleurs, j'ai mis un petit message à Saudrette sur le fait qu'on trouve pas les compositions d'équipe des équipes amateurs. À chaque fois, c'est chiant. Je trouve qu'ils respectent pas beaucoup les équipes amateurs. Et ça, c'est énervant. Pareil pour le foot africain, c'est relou, je trouve. Allez, petit coup de gueule passé. Oh, il monte au-dessus de tout le monde, Gabriel. Tu as des masters OPS. Salut Fabien Rollini, comment tu vas? Des masters OPS, c'est quoi ça? Ouais, je vais mettre Raphaël. Avec Idir. Allez, dire qu'il dégage. Oh, et le ballon pour Bamba maintenant. Bamba avec Ikoné.
Il y a une petite obstruction de Colin, mais l'arbitre dit que c'est légitime. Brésil, dit Luciano Silva. Allez, le final, dit Nick Heroïs. 0-0, en tout cas, pour Paris, les amis. Hein. Toujours 0-0. Tiens, j'ai touché un petit peu le chrono. Ça fait longtemps, je te suis, t'es un homme que j'apprécie. Hein. T'inquiète pas, Versace. Hey, t'inquiète, ami. On prévient juste que... Mais de toute façon, ça va changer bientôt. Il y aura bientôt plus de spoil, donc t'inquiète. Sheka. Oh, la main de Sheka. Hein? La main de Sheka, il a pris ici la première faute. Alors là, c'est bizarre, les amis. Hein. La main de Sheka, je veux bien, mais pourquoi il siffle la première faute? Alors, on comprend pas trop ce qui s'est passé, là. Lille, salut, YSF. Thomas, opérateur. Ah, Bouygues. Excuse, j'avais pas compris. Où le chrono? Ah, avec Sheka. Oh, c'est mal tiré, ça. Hein. Il y a du vent, quoi, Épinal. Dans les Vosges, le contrôle de l'épaule, il n'y a pas de main, dit l'arbitre. L'épaule, c'est pas la main, l'ami. Avec Sheka au milieu de terrain. Avec. Il connaît Arojo, la frappe du Brésilien. Talonnade magnifique. Et c'est. Rattrapé par Sangaré. De près de Rennes, Ludovic. Ouais, Mathéo, c'est ça. Je cherche le chronomètre. Il est où? Tu veux le chronomètre? Il est fou, ça. Ah, il y a le chrono ici. Il n'est pas centré. Et ça m'énerve, les détails. T'es pour qui? Pour personne, ami. Je commande de façon objective. Allez, il connaît. Avec, encore une fois, il connaît sur le côté gauche. Il connaît. Avec grosse bagarre de ouf, les amis. Hein. Allez, le ballon sur le côté maintenant. Eurosport 2. Voilà. Donc, point d'exclamation chaîne pour les modérateurs, les amis. C'est la chaîne. Pourquoi je fais pas le PSG? Parce que je fais Lille Épinal. Je répondrai toujours pareil, mais. Le ballon pour Luvalu! Sur le centre, directement pour Biron! Il est passé! Oh, quelle défense de Gabriel! Apparemment, ouais. Point d'exclamation chaîne, normalement. Non, oh là, j'écris que. Caïn. Chaîne. J'aurais pas à écrire chaîne. Normalement, c'est bon, quoi. Ça va apparaître. Je crois que c'est même pas une vraie chaîne. Ouais, c'est... Non, si, c'est une vraie chaîne, mais sur... Y'a pas pour l'inscription chaîne. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Non, Mathis, le match est interdit, l'ami. Ah, voilà. Donc, vous faites pour l'inscription chaîne pour sortir la chaîne. Allez, ballon maintenant au milieu de terrain par tapé. Allez, est-ce que les statistiques sont arrivées? Je pense, oui, pour Lille Épinal. Avec le dégagement pour Léonard. 1-0 pour Lille, toujours, les amis. Ah, les statistiques sont là, c'est parfait. On a une note des joueurs ou pas? Oh! Faute de Borodine, les amis, là. Grosse faute. Tu penses quoi de Giroud à Rotterdam? À Rotterdam? À Tottenham, tu veux dire? Salut Kofu, comment tu vas? Bon match des Verrières. Ouais, bah, j'irai. Y'a pas Snap? Bah. Snap, c'est Thomas Parle Foot, là, mais il n'y aura pas de lien directement sur Snap via ton ordinateur. Ou ah oui, par rapport à ton téléphone, ok. Mais c'est Thomas Parle Foot, tu tapes Thomas Parle Foot sur Snap. Ah, avec le ballon pour Rémi, qui dégage sur Jonathan Ikoné. Sur le côté droit maintenant, la défense de Luvalu, qui dégage pour trouver sur peut-être Biron au milieu de terrain. Il est très très bon ce crasso là. Et il remet derrière avec Tape. Le ballon maintenant pour Luvalu. La récupération pour Bamba. Ouais, c'est récupéré avec une petite main peut-être de Léonard. Léonard qui dégage. Il y a Gabriel qui va défendre. La lutte avec Crasso peut-être. Il va dégager en touche ou jouer la protection de balle. Il n'y a pas beaucoup d'occasion. Et la faute est sifflée. La faute est sifflée. T'y crois, Diego? Non, Mathis, je ne mettrai pas le match à regarder. Il faut comprendre, les amis, que c'est des live talk. Les images. Alors je comprends que vous soyez jeunes. Mais c'est interdit, les images, je vais le montrer. Salut Madou, comment tu vas? Vidéo, Thomas? Ah oui, bah je pense que c'est bien.
Allez, avec le dégagement maintenant de c'est Rémi, mais c'est d'abord tombé sur le gaz avec l'accélération de Colin. Il est passé en petit pont avec Biron qui va sur le côté gauche du terrain là. Ce stade de 3-4 000 places en gros, avec Colin qui dégage, qui cherche la montée de Luvalu. Le bon contrôle, il en avance sur le jeune Boca, Luvalu dans l'axe. Le centre directement, ah c'est mal joué directement, dégagé par Gabriel le Brésilien avec Léonard qui est poursuivi par Loïc Rémy. Le ballon sur Idir, le capitaine, Idir qui va jouer sur le côté pour Sangar et c'est bien joué. 21 minutes de jeu, toujours 0-0. Je vous mets les stats les amis. De rien Matisse. Les stats, ah il y a eu les stats sont là, ça on s'en fout, paf, stats de Paris, je peux les mettre aussi peut-être. Ouh, attention quand même de ne pas faire de bêtises, ah, les stats sont là, Épinal Lille, toujours 1-0, toujours 0-0 à Pau, c'est serré aussi à Pau les amis. Allez, hop, les stats sont là, une occasion pour Lille et bim. On va dire que les équipes de Ligue 1 assurent. Et Galtier a dit que c'est un objectif, hein, la Coupe de France. Le podium avant tout aussi, mais... Allez, zéro frappe cadrée, c'est... Le ballon pour Rémi. Tir total, tir cadré. Voilà. Avec... Le ballon pour Gassé. Un contrôle magnifique. Oh, la grosse faute là peut-être. Le coup franc intéressant pour Épinal. Vous avez vu les statistiques les amis, 48-52. Hein. C'est quand même super serré. Hein. Franchement, c'est pas gagné encore. Hein. Avec Mabignon, on a dit... Oh, la sortie. Il n'y a pas de faute. Ah si, en deux temps. Ouh, la vache. Oh, c'était chaud. J'ai eu peur. Sortie un petit peu à l'arrache de Mac Mignon, les amis là. Alors comment sont les côtes là maintenant? Allez, Diallo maintenant. Les Lillois à piquer les amis. Hein. Le ballon pour Gabriel avec Boca qui est poursuivi par Luvalu. Gabriel en 1-2. La récupération pour Colin avec Tap. Allez, Makengo qui écarte sur Borodin. Borodin qui remet derrière son Makengo. La possession de balle et c'est kiff-kiff. Hein. C'est kiff-kiff. Hein. Et le but à Paris les amis. Oh, le but à Paris, le golazo parisien les amis. Le golazo parisien, 1-0 déjà à Paris. 1-0 les amis. Le but à Paris. Ça a dominé de ouf avec le le but parisien. Il y a des buts, bah, ils font le taf les Ligue 1 là. Le but de Paris, 1-0. À la 25e minute de jeu, on va regarder pour qui c'est évidemment. Allez, but à Paris, le but de, on l'a pas encore. Paris gagne 1-0, ouais. Je joue avec personne Matisse. Salut Kylian Bosco, comment tu vas? But pour Paris, j'ai vu ça. Qu'est-ce qu'il y a de la cible? But pour Paris. Et précisez si vous voulez spoiler l'autre match, vous dites but Paris, les amis, tu vois. Salut Skyox. But du PSG, ouais. Ouais, quand j'aurai le temps, l'ami. Bonsoir Zayn Jarif, comment tu vas? Salut Touko. T'inquiète, Verdatti. Non, mais tu dis but Paris, c'est pas un match, c'est pas un spoil. Hein. Au contraire, tu m'aides vraiment en plus, tu vois. Allez. Le coup franc avec. Les stats live, elles sont pas bonnes. Les côtes sont là. Avec Idir, il y a de la pluie. Salut Léaros, comment tu vas? Je vois City Liverpool, ouais, carrément. Avec Sheka, j'ai hâte de voir Sormané justement. Avec le contre-man engagé, la récupération d'Ikoné. Ikoné pour Bamba. Bamba en face de Borodin. Ballon pour Boca, le centre, c'est bien tiré. La tête de Rémi et la frappe d'Arojo. Oh, l'extérieur du pied gauche là, énorme. C'est Paredes. Il marque des buts Paredes. Hein. Putain, bah, Paredes, dès qu'il est là. Paredes à la 25e minute, les amis. Incroyable. Allez, avec... Oh.
avec Crasso. Le ballon pour... Il n'y a que Rémi qui presse. Lille est vraiment très très bas quand même, franchement. Avec la tête de Diallo. Le ballon maintenant pour Jérémy Pied là. Lillois qui sont pas mal, mine de rien. Avec Boca qui fait son match. Hein. Boca. Allez, faut qu'ils enflamment le match un petit peu les Spinaliens. Bamba. Entre deux en sandwich comme un skieur là. Intervention licite apparemment d'après l'arbitre. Miguel Gori. Le contrôle magnifique. Et le ballon pour Biron. Le dégagement à l'arrache. On sent que ça peut craquer de part et d'autre, les amis. Et le lob. Oh, incroyable ce que fait. Merci Rémi, à plus tard. Mané absent ce soir, le petit brin. Carrément. Quand il y a but sur votre match, je pourrais vous dire. Oui, tu dis but Paris. Ne t'inquiète pas, l'ami. Fais les drôles spéciaux sur les autres pelouses, mais... Merci Rémi. Dès que j'ai le temps, 100% foot, je fais une vidéo. Mais là, en ce moment, avec mon auto-entreprise, avec pas mal de gestion, avec les sponsors, le nouvel équipement qui arrive, j'ai énormément de choses à faire. Des calls, des appels avec des partenaires, mais à l'étranger, qui sont au Canada le soir après les lives, donc je me couche super tard. J'ai beaucoup de choses, beaucoup de choses. Salut Belage. Ouais, Lille, ouais, c'est ça. Mathis, non, c'est pas les bonnes compos, l'ami. Oh, Crasso qui a laissé, malheureusement, l'occasion d'écarter sur le côté droit avec Sheker, la grosse faute. Ouh, la grosse semelle, là. Peut-être carton jaune ou pas. De taper, là. La grosse faute sur Sheker. Ah, il a été fort, là, mec. Hein. Oh, la vache. Allez, Cultural Leonessa. Ouais, il fait une grosse faute quand même, il fait une grosse faute. Une énorme faute, les amis. Hein. Allez, avec on voit Sheka à l'écran. Le ballon maintenant côté droit. Avec pied. Ah, c'est mal joué. Avec la touche qui va être pour Jérémy Pied. Salut Séverine. Les compos de Nightbot. Ouais, mais le problème c'est que c'est pas à jour, je les ai pas préparés. En fait, c'est juste pour les multiplex, donc c'est pas prévu de faire prendre l'inscription Lille, tu vois. Elles sont. Quand j'ai eu Nightbot, c'est les anciennes qui sont là, tu vois. Donc je peux pas. Comment dire, sélectionner ce que je veux. Et coup d'envoi aussi, Rayo Vallecano, Villarreal. Ah bah c'est très bien, Dogma. Très très bien. Et Pinal, mais ouais, bah t'as vu la composition. T'as vu 51%, c'est énorme. Il se retournait. Un peu bizarrement, les amis. Il s'est joué vite. La petite faute, peut-être. Et le contre de Boukakari Soumaré, les amis. Avec le petit côté droit maintenant pour Soumaré. Avec Rémi, accompagné par Léonard. Et le ballon pour Idir, qui dégage loin devant. Oh, la faute de Bamba, là, sur le Valu. Qui redonne sur cette paire d'attaquants Biron-Crasso qui est énorme. On voit un petit peu les compos, les amis, là. Compos qui sont là. Peut-être les compos de Paris, peut-être. Ouais, j'ai vu ça, sniper. Ouais, exactement, tout quoi. Allez, avec Gabriel qui dégage un peu loin. La récupération de Sangaré. Intéressant le début de match, les amis. Intéressant, intéressant franchement. Demain, juste avant Nice-Lyon. On le fera demain d'ailleurs. Juste avant Nice-Lyon, ici. Avec le ballon maintenant pour Luvalu. Oh, le petit pont de Luvalu. Avec Crasso, il n'y a pas d'enjeu. Le centre devant le but. La reprise. Oh. Il y avait la montée de Borodine. Incroyable. Le superbe petite fan de Luvalu. Le latéral, le piston droit de cette équipe d'Épinal là. Ah, il a complètement loupé son tir, Biron. Et il y a Borodine qui est arrivé dans le dos de Jérémy Pied. Oh, faut être vigilant. Il est passé, mais comme dans du beurre, entre Bamba et Boca là. Salut Adou.
Mais plus de son. Plus de son. Ah bah non, il est déjà assez fort là, mais le son est pas assez fort de... des supporters, les amis. Avec Diallo qui protège devant Colin. Ah, la bonne baston et la faute. Et non, la touche récupérée. L'arbitre Miguel Gori, il est chaud. Hein. À chaque chaud bouillant, tu m'étonnes. Allez, 30 minutes de jeu. Et Pinal qui est pas ridicule. Franchement, le match est loin d'être fini. Avec la bonne protection de Sheka. Maintenant pour la montée d'Arojo. On voit pas beaucoup le Brésilien Luis Arojo. Avec le dévélation, mais récupération de Colin. Colin dans l'axe pour Crasso. Crasso qui lance. Crasso entre trois joueurs. Allez, le lancement de Gabriel. Avec le contre engagé. Il y a un joueur qui reste à terre là-bas. Je crois que c'est Sheka ou Jérémy Pied. Le lampe Rémi. Près de la zone technique des deux coachs là. Rémi qui redonne le ballon à Sheka. En plein centre du jeu. À 40 mètres. Avec Boubacar Issoumaré. Il n'y a pas de solution. Il va remettre, je pense, le ballon en touche là, Sheka. Il y a un joueur qui reste à terre. Je crois que c'est Arojo qui a pris un coup. Salut Baptiste, comment tu vas? Monte le son de ton tel. Est-ce qu'il y a les compos de Liverpool là, d'ailleurs? Les compositions sont là déjà? Salah, Firmino, Origi. Chamberlain, Anderson, Wijnaldum. Eh, il fait tourner, hein. Ouh, il fait tourner. Ah oui, Nathan. Oh, c'est pas grave, Fusion. Hein. Le pauvre, il est tout petit, Nathan. C'est vraiment un bébé, hein. Donc, il peut pas. Laisse-lui, c'est capital. C'est pas grave, on va faire une exception. Merci, Fusion. C'est ça, tout court. Café froid? Presque. Non, mais il est jeune, Raphaël. Tout est nickel. Ouais. Salut, Régis Kerbel. Comment tu vas? Avec... la grosse faute de Bamba qui dégage loin devant pour trouver Rémi. L'arbitre revient à la faute. Pas de carton pour l'instant. Je vais revoir un petit peu sur l'autre match, là. Avec Kurzawa à l'écran. Salut Midi. Avec j'ai déjà faim. Une grosse action encore une fois. Il a la frappe là de Kurzawa côté droit. Oh, c'est passé loin. C'est pas passé loin, pardon. En ce moment j'ai pas, à part les débriefs, j'ai pas beaucoup de temps de faire des vidéos annexes comme je fais Mercato ou... Parce que la journée je suis pris. Plein de trucs qui s'organisent. Avec le ballon pour Ikoné. C'est bien récupéré par Léonard. Avec Bamba qui perce pour Rémi. L'appel en profondeur de Rémi. Il est passé. Bien couvert par la défense. Allez, la montée maintenant pour Luvalu qui est très très bon. Le piston droit de l'équipe d'Épinal. Oh, bien joué avec Biron. Biron qui va être écarté sur le côté gauche. Récupéré maintenant par Colin. La sentinelle de cette équipe avec Borodine. Allez, Borodine le centre, il n'y a pas d'enjeu, la tête! Ouh, la tête de Crasso! Ah ouais, c'est ça la question. Salut Antoine, Anton, pardon, Lulachi. C'est pas faux. En tout cas, Paris a l'air chaud. Hein. Pau n'existe pas beaucoup, hein, avec Sarabia là, contré par la défense. Ouais, je... Ouais. Et puis là, vous égalisez. Merci, Diane. Avec le dégagement maintenant pour Rémi. La tête de Jérémy Pied, directement en touche. On va faire un petit hashtag pour vous aussi, tiens. A votre avis, dites-moi dans le chat, est-ce que Épinal va égaliser avant la mi-temps? Vous mettez oui ou non, les amis. Est-ce que Épinal va égaliser avant la mi-temps? Oui ou non, on y va, les amis. Allez, on y va. Avec le ballon, le centre de Borodine. Il est contré. Le centre fuyant. Oh là 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 là. C'est chaud, hein. J'ai 11 ans. Bah ouais, donc t'es jeune, l'ami. Quelqu'un connaît. Euh...
Et carton jaune encore une fois. Après Borodin. Ouais, c'est dur. Hein. C'est dur. Hop. Allez, carton jaune les amis. Oui. Non pour Nathan. Oui facile, non pour Touko. Oui pour David. Oui pour Tom Oksu. Oui pour Stéphane Gribel. Oui pour Jérémy Marshall. Non pour Balfa, non pour Yann, non pour Mathis. Ah c'est partagé les amis. Allez avec un bon coup franc. Et deux cartons jaunes du coup pour les Spinaliens. Mettre ça ici. Hop là. C'est sur tu fais. Salut Rochekill. Ah non Touko. Ah non, il y a Raphaël qui est pour Lille aussi. Hein. Avec Bouvacar et Soumaré là. Qui vient dans l'axe pour Iconé en numéro 10. Attends, Iconé, la récupération maintenant pour la montée de Biron. Qui est plus rapide entre Diallo et Biron. La sortie de Maignan. Le contrôle de Colin. Avec Borodin. Borodin. Avec Iconé. Franchement, ils jouent à quel niveau, les amis? Enfin, pas à quel niveau, je sais, mais ils sont classés comment Épinal, parce que c'est quand même assez incroyable. Hein. Allez, Luvalu. Ballon loupé. Boca qui dégage. Avec ballon pour Crasso. Avec Boubacar et Soumaré maintenant. Soumaré qui fait des petites roulettes un petit peu dans la défense là. Le ballon pour Diallo. Il est. Mais Diallo, c'est une catastrophe. La frappe! Oh le poteau! Le poteau! Le poteau pour Épinal! Oh! Le poteau pour Épinal, les amis! Rushkill, quand tu mets un message, essaie de lire la suite. Regarde, c'est marqué pour l'exclamation. Oh là 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 là! Superbe frappe, les amis, sur le poteau! Le poteau! Incroyable! Il y a un joueur qui reste à terre. Il réclame un pénalty, je crois, peut-être. Non, peut-être pas quand même. Et Paris, toujours 1-0. Avec Bruno Villarles qui est là. C'est chaud quand même. Hein. Ouh, la vache. Qu'est-ce qu'il y a, ces fans, Grisel? Sixième. C'est-à-dire quoi, sixième? Faut suivre mes messages, je n'avais pas de truc. Faut que ça rentre, tu m'étonnes. T'as vu les occasions de fou, les amis? Tu commentes l'OM? Non, je ferai. L'OM, c'est sur France 3, l'ami, c'est gratuit, l'OM. Je fais les matchs payants, tu vois, pour vous. Le ballon pour Crasso qui se retourne. Le dégagement de Soumaré. Ça chauffe, les amis, avant la mi-temps. Il reste 5 minutes. Et là, c'est incroyable, comme ce début, là. Rushkill, tu n'écoutes pas, l'ami. C'est marqué sur le chat. Tu sais écrire sur le chat, tu sais lire. Tu fais point d'exclamation chaîne. Regarde, Rushkill, avant de gueuler, regarde, l'ami. Regarde, c'est marqué. C'est fait exprès, il y a un bot exprès, l'ami. Avec la récupération, la frappe de Borodin est au-dessus. Oh là 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 là. Point d'exclamation, chaîne les amis. À 6ème, merci l'ami. Regardez. Avant de crier les amis, point d'exclamation chaîne. Et c'est marqué les amis, c'est fait exprès. Ne criez pas comme ça les amis. Regarde, c'est marqué, tu vois. Quand t'écris le chat, tu lis ce qu'il y a marqué. Oh, il a glissé MacMaignan. Avec Rémi, la tanade de d'Iconé. On va revoir un petit peu les stats. Le carton jaune de Borodin, je vous l'ai mis. Avec Crasso, les passés. Crasso, Biron, c'est fort, hein. Boca et Diallo, c'est pas terrible quand même. Avec Crasso qui est passé, côté droit. Côté droit encore une fois, l'été dribble. Oh! À la limite de la surface de réparation. Il y a eu une faute. Est-ce qu'il y a pénalty pour Épinal? Salut Mathias, comment tu vas? Et carton jaune pour... pour Boca. Regarde Rushkill, tu vois, regarde. Carton jaune pour Boca.
Heureusement, il n'y a pas de variole. On va revoir les amis. Eric Boca, qui est un petit peu... Après, il est jeune, hein. Il joue en équipe réserve, donc en... normalement en N3, si je ne me trompe pas. Donc c'est peut-être le même niveau pour lui, en tout cas. Hein. Salut Bercon, salut Anirem. Ouh, la grosse faute énorme, là, de... Allez, coup franc intéressant pour Épinal. Qui est vraiment impressionnant, les amis. Franchement, je suis agréablement surpris par cette équipe. Allez, Borodin, la patte gauche. T'as lu Rushkill ou pas? Tu m'entends ou pas? Ou tu veux que je t'aiguille? Et carton jaune pour Paredes. Merci l'ami. Lille 1-0, ouais, Emily. Avec Borodin, Nicolas Borodin. Le bon coup franc, c'est enroulé. Oh! Mais c'est pas possible! Tap qui est passé à deux doigts de l'égalisation. C'est incroyable ce qu'on est en train de faire. Franchement, c'est incroyable ce qu'on est en train de faire. Épina. Oh là 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 là. Ils ont juste gagné la Champions League, c'est tout. Mais aller au pénalty face à une N3 alors que tu es deuxième de Ligue 1, c'est honteux. Tu parles de qui, Jason? Je comprends pas. Il y a pas Eurosport. Non, c'est sur MyCanal. Ou alors le cube, le décodeur version TNT, je crois. Sinon, malheureusement, ouais, c'est sur MyCanal. Avec Eric Boca. Salut Anes, comment tu vas? Raph, il est. Raphaël Velsin, il est. Avec dégagement maintenant pour Luvalu. Avec Crasso. Allez, à 2 minutes environ de la mi-temps. Sous-marin, il est énorme. Je fais Nice OL. Ouais, regarde, ami. Regarde, MatFoot, c'est marqué. C'est marqué juste en dessous, regarde. Tous les matchs que je mets en dessous, c'est les matchs que je fais. Donc Nice OL, avec le tirage sur la Coupe de France. Et aussi Rennes-Nantes, évidemment. Ça va être chaud. Le derby. Aucune des deux, Juju Pupus. Salut Rico, salut Emilie Dutoit. Regarde, fais le point d'exclamation chaîne, l'ami Devilt. Ah, ok, pardon, Jason. Allez, il connaît. Oh, la sortie du gardien. Oh, il a le lob de Arojo. Il est au-dessus. Oh, l'erreur de dire. Oh, l'erreur. Aucune des deux, l'ami. Je commande de façon objective. Lille, bah franchement, les amis, je vais pas vous cacher, mais regardez la possession de balle. Ça veut rien dire, évidemment, mais 54% de possession de balle pour Épinal, une N3. Salut, Lenny Molina. Et Fusion est fan de Lille aussi. D'accord. Pas loin, Jason. Ah, il y a un petit peu de temps additionnel, les amis. Il reste une minute, je crois. 6 minutes d'arrêt de jeu. On va parler de Liverpool un petit peu à la mi-temps aussi. Hop. Allez, ballon pour Bamba. Parce que la petite faute, peut-être, au milieu de terrain de Colin. N2. Pardon, Yannick. Salut, Benoît Dufour, comment tu vas? On me saute les coms, pourquoi, Bircon? Je sais pas, qu'est-ce que tu dis, ami? Bircon, qu'est-ce que t'as dit? Je ferme les yeux parce que je me fais vieux. Avec Rémi. Rémi pour Bamba maintenant. Allez, 2 minutes d'arrêt de jeu, pardon, toi pour moi. Bamba. Avec. Jérémy Pied sur Arojo, on est dans les 30 mètres hein, pour les Lillois. Lillois qui passe tranquillement. Là, le 2-2. Dédoublement de Jérémy Pied, c'est quand même moyen. Hein, l'ancien Niçois, l'ancien de Southampton, entraîné par Puel. Ça va bien. C'est une. Biron et Crasso. Oh, c'est mal joué avec Borodin. Crasso, allez, il reste une 10. Il y aura une dernière occasion avant la mi-temps. Les actions les plus dangereuses, les amis, je vous cache pas que c'est pour Épinal. Hein. Avec Luvalu, le centre et le corner. Corner pour Épinal. Je suis pour Lille. Non, je suis pour personne, l'ami. Je suis pour le FC. Personne. Toujours 1-0 pour Paris aussi.
Allez, 45 secondes de jeu. Mi-temps à Paris, les amis. Qu'est-ce qu'il y a, Rico? Oui, mais laquelle? Laquelle quoi, l'ami? Fais point l'exclamation chaîne, Rico. Avec Borodine, c'est bien tiré. La tête! Mais l'occasion maintenant! Oh, c'est au-dessus. Oh, mais c'est pas possible. Et hors jeu. Et non, corner encore! Oh là 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 là! Crasso est nul! Ah non, bah non, je trouve bon joueur, c'est. Le FC, ma gueule. Le FC, ma gueule, ouais. Aerosport 2, ouais, c'est un duplex, mais il préfère Paris, évidemment. C'est logique, mais. Avec Miguel Gori. Le petit train des deux équipes. Le corner de Borodine. Allez, Borodine qui va tirer rentrant. C'est encore bien tiré. La tête, il passe à travers la frappe. Et mi-temps. Mi-temps, les amis. Mi-temps. 1-0. Le but de Loïc Rémy. Franchement, petit match. Petit Lille. Mais ils font le taf. C'est pas ouf ce que fait Lille. Ils sont pas à l'abri, les amis, franchement. Croyez-moi. Après, c'est comme ça. Hop, on va parler de plein de queutru. Allez, salut, comment tu vas, Arcade d'Anubis? Anubis, mais ça me dit quelque chose, c'est un pseudo peut-être que t'as. Ouf, ouais, carrément. C'est chaud, hein. C'est chaud, les amis. Franchement, c'est chaud, chaud bouillant. Pas de problème, 100% faute. Fais une pub pour Girancourt. Les stades de Paris, ouais, Antoine. Carrément. J'y pensais justement. Putain, c'est relou de tousser alors que je tousse pas de la journée. Je te le mets, l'ami. Salut, Baz. On est vraiment nul. On se démine par AU. Ouais, je suis d'accord, Florent. C'est chaud quand même. Franchement, c'est chaud. Je te mets les stats de Paris, mon ami. Hop, paf. Les stats de Paname. Ici. Hop. Voilà. Toi, je sais faire. Aujourd'hui, tu vois, j'raconte ma vie. Mais je sais faire des emplettes, tu vois. Pour mon fond vert, là, des petites. Des chevilles mollies, tu vois. Et, enfin, des que trucs, quoi. Et je toussais pas du tout. Et là, j'arrive, je tousse. C'est ouf, quand même. Très chiant, d'ailleurs. Allez, hop. Les stats de Paris, on y va. Donc, elles sont là. Hop. Je vous les mets directement. Je pense que Paris a la domination complète, à mon avis. De toute façon, Paris a tout le temps la domination, les amis. 3 tirs cadrés, ça c'est ça. On y va avec 3-1. On va voir la compo de Liverpool aussi, parce que mine de rien, ça nous intéresse. Tout à l'heure. Hop. Et bim. Donc 20, ouais, 29, ouais, c'est largement à l'avantage de Paris. On est d'accord, les amis? Tranquillement. Il connaît. oui, Nathan, oui, évidemment, oui. Salut, Emily, comment tu vas? Qui c'est qui a dit mettez les images? L'OM, c'est France 3, Mathias. Donc je le fais pas. Nathan, écoute-moi. Si je te réponds pas, je vais te répondre, l'ami. Mais ne spam pas les mêmes questions. Tu off, logique, tout le monde savait, Brice. Pas facile sur les images. Ouais, je sais, mais ça ne changera jamais, l'ami. On pourra jamais montrer quand tu bouges tout doucement. Putain, mais Antoine! Mais grave, mais pourtant, quand je me... Ça, c'est une bronchite qui me suit depuis 15 jours. Mais quand... Ouais, quand je suis allongé, je tousse pas, tu vois. Mais quand je suis... Ouais, c'est chiant, ça. C'est pas grave. Salut, Bétibo, comment tu vas? Les amis lillois, franchement, est-ce que vous êtes inquiets, quand même, de ce qui se passe pour votre équipe? Les amis, parce que, franchement... Je vais remettre les stats de Lille, les amis, là, hop. Quand tu vois la possession de balle, tu l'as pas. Le nombre de tirs, t'es derrière... T'as une action, franchement, super bien joué, où Rémy trompe Idir, mais c'est un contre.
Tu joues en contre une N2, une sixième de N2, qui joue même pas le haut de tableau, c'est quand même chaud. 38, Émilie. Coronavirus, non. Enfin, j'espère. Truc de ouf, quand même. Ok, Nathan, pas de problème. Eh ben, soigne-toi bien. Juste après, on fera Liverpool, West Ham, les amis. Est-ce que vous voulez les compositions d'équipe de Liverpool, West Ham? Comme ça, on va voir ça. Il y a 0-0 toujours entre Leonessa, Valencia, Rayo Vallecano, Villarreal, 0-0. On va mettre, évidemment, d'autres petits scores ici. 0-0 pour PSG. Il faut que je le corrige. 1-0. Un qui est non. Allonge-toi. Ouais, tu m'étonnes. Oh, remarque, avec mon... quand j'aurai le fond vert installé, le nouveau fond vert, je pourrais m'allonger directement. Et commenter allongé. T'as le pied, truc de ouf, quoi. Est-ce que Épinal fait à la mi-temps? Ce que Épinal fait à la mi-temps. Ah, tu crois, Emily? J'ai pas besoin de Totality. J'ai pas besoin de modérateur, t'inquiète pas. J'ai ce qu'il me faut, et ils sont très bons. T'es au match, Mighty 13. Eh ben, salut tout le monde autour de toi, et pars de la chaîne Thomas Parle Foot autour de toi, et mets le haut-parleur. Et tu as, mets le haut-parleur maintenant, comme ça je vais dire bonjour à tout Épinal. Mets le haut-parleur et tu me redis quand t'as le haut-parleur, l'ami. Mati. Mighty 13. Je suis encore malade. Non, je suis pas malade, mais c'est des restes. Dégueulasse. Alors, 1-0 pour Paris. Ouais, je mets la compo. Est-ce que j'ai mes écouteurs ici? Et vous me dites, les amis, si vous voulez des maillots de foot aussi. Les compos, ouais, pas problème. Les compos sont là. West Ham, elles sont provisoires ou pas? Elles sont provisoires, les amis. Mais je pense que, de toute façon, il n'y a pas Mané, donc... avoir FIF le coronavirus. Putain. Alors on y va. Thomas, les scores sont pas violents ce soir, mais les matchs sont quand même intenses. Grave, Lone Wolf. Pas de problème, Totality. Alors on y va. Les compos de Liverpool. Pam, pam, pam. Salut Michel, Chebou, comment tu vas? Ah, la côte, elle a pété. C'est pas grave, on va remettre ça ensemble. On y va, la côte de Liverpool est ici. Et on va remettre les côtes ici. Titi. Et, parce que franchement, on a vu pire, hein. La côte à 23 d'Épinal. Les amis, ça se tente un petit peu. Hein. Honnêtement, entre nous. Alors, les compos ici. On va mettre ça. Ça, c'était Saint-Etienne, donc on s'en fout. On va mettre celle-là. Alors, la compo de Saint-Etienne, c'était hier. Donc, on va la enlever, celle-là. Et on va mettre la compo. Voilà. Donc, Darren Randolph pour les West Ham, pour les Hammers. Aaron Cresswell, Angelo Ogbonna, Issa Diop, le Toulousain. Paolo Zabaleta, Declan Rice, Marc Noble, Pablo Fornals, Manuel Lanzini, Michel Antonio et Sébastien Allaire, évidemment, la star. Je vais me faire une petite grenadine. Tranquille, j'ai un petit fond. Et la compo de Liverpool, les amis, elle est ici. Avec Alisson, Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Alex Oxlade-Chamberlain, Anderson, Wijnaldum, Salah, Firmino et Divock Origi. C'est quand même une belle équipe. Hein. C'est assez intéressant, je trouve. Les amis, voilà. La compo de Interfio. compo probable. Tac. Interfio. Alors, Antonio Conte et Giuseppe Lakini, donc Andanovic, le gardien de but. C'est un 3-5-2. Lautaro Martinez, Alexis Sanchez, Cristiano Biraghi, Stefano Sensi, Valero, Barella, Candreva, de Godin, De Vrij et Bastoni derrière. Voilà, ami. Donc c'est une grenadine vraiment sans jus, quoi. Pas grave. Et donc, Chiesa, Crotone, Lirola, Benassi, Pulgar, Valentin Essérique, Dalbert, donc Caceres, Ciccherini, Milenkovic et Pietro Terracciano. 2-3-5-2, donc ça va être intéressant, les amis. Hein.
Inter qui doit réagir, qui sont un petit peu. Ah, c'est de la coupe. Attends, c'est de la coupe en Italie. Ouais, pardon. Donc pour moi, donc faut réagir. Évidemment, il faut gagner. Ça, c'est clair. Je ne peux pas, Noah. Alors, justement, on parlait de ça. C'est où? Je ne peux pas, Noah. C'est interdit. Tu penses qu'il va gagner Inter? Oh, je pense l'Inter. Je pense l'Inter. Alors, les maillots de foot, l'ami, le partenaire RepFoot qui va débarquer bientôt. Ne vous inquiétez pas. Vous avez 15% de réduction avec RepFoot ici. Tac, je vous mets le lien. Et franchement, c'est des super maillots. Je vais en déballer bientôt dans. Allez, dans une semaine, j'espère en tout cas. Tiens, je vais mettre ça d'ailleurs. Hop. Je vais mettre point d'exclamation. RepFoot. J'ai pas fait d'ailleurs. Point d'exclamation, maillot. Bien ça. Ici. Et bim. Une commande. Parfait. Et dans timer. Et donc, allez voir le site, franchement. Vous avez un code de 15%. Donc, si vous voulez des maillots de bonne qualité, et les amis, franchement, j'ai eu un site de maillots avant. C'était la qualité aussi. Mais là, RepFoot, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, je ne bosserai pas avec des partenaires que je kiffe pas. Sinon, ce serait vraiment indécent. Ce serait vraiment pas logique, tu vois. On est d'accord. Je vais créer une commande, du coup. Hop. Du coup, n'hésitez pas, les amis. Tous les 15 minutes, c'est bien. Allez sur le site pour avoir des maillots. Bim. C'est bien. Non, c'est des réplicas. Évidemment, à ce prix-là, c'est des réplicas. Mais franchement, passer par le site, enfin, commander un comme ça, c'est 27 balles en gros les maillots. Il y a des survêtements aussi. Je ferai une vidéo déballage bientôt. Mais 15%, franchement, tu touches un maillot à 20 balles, quoi. Donc ça. Et le port compris, quoi. Donc ça vaut le coup, mine de rien, je trouve. Honnêtement, ça vaut le coup. Et passez par le site et vous m'en donnerez des nouvelles. Franchement, vous me dites si voilà, si vous n'êtes pas content ou pas. N'hésitez pas en tout cas. Mais moi, je trouve ça assez intéressant, honnêtement. Ce genre de maillot. Hop. Donc quoi, on a même de belles surprises. Tu m'étonnes. Site pas accessible. Ah si, il est accessible, ami. Raphaël. Ah si, il est accessible. Ah, moi, je l'ai, hein, le site. Hein. C'est des réplicas, Noah. Ah si, je l'ai, le site. Je l'ai. After Gaming, qui pour Épinal? Justement, on va voir ça. On va voir ça ensemble. Je finis juste ce que je commençais ici. Donc juste après, les amis, à 20h15, quoi qu'il arrive, hop, on coupe et on passe à Liverpool, évidemment. Hop, et je mets ça ici. Tac, collé, pas mal ça. On met ça tous les 15 minutes, c'est bien. Tous les 15 minutes. Ici, donc c'est bon. Maillot, ah nickel. Et commande ici. Attention, côté du LOSC à gauche. Ouais. Ah, ça a pété. Non, ah d'accord, merci l'ami. Est-ce que vous pensez qu'Épinal peut revenir, concrètement? Donc, pendant que vous réfléchissez, le programme, les amis. Donc, demain, Nice-Lyon avec Carlos Soir de la Coupe de France, évidemment, juste avant. Ça va durer pas longtemps parce qu'il n'y aura plus que 4 matchs, les amis. Les joueurs reviennent sur la pelouse, les amis. Allez, c'est parti. Donc on est sur custom, ici parfait. Add commande. Tac, point d'exclamation, AirPod. Pas pensé à ça. Et ici, paf. Et voilà. Nickel, magnifique. Donc, mission demain. Le derby évidemment. Le derby Rennes-Nantes. Samedi, Real Madrid, Atlético Madrid. Le soir, Multiplex Ligue 1. Le lendemain,
Il y a du Dijon Saint-Étienne et le soir Barcelone Levante. Donc et non, à 15h aussi je fais un match. Voilà, donc gros programme. Allez, on y va. La seconde période, les amis, qui va commencer. T'inquiète Antoine. Allez, pronostic de la seconde période, les amis, on y va. On va remettre évidemment Paris qui va commencer dans pas longtemps. Ici, hop. Salut Ara, comment tu vas? Donc n'hésitez pas les amis, hein, si vous voulez des maillots. Vous faites pour l'inscription maillot et commente pour le VNL. Commente, ce n'est pas commencé l'ami. Paul, ce n'est pas commencé. Tu vois, ça fait un an et demi que je commente. Je vais pas commenter des mecs qui rentrent sur une pelouse. Je fais Paris-Dortmund mardi. C'est dans 3 semaines, ami, il y a le temps. Hein. Maillot pas cher à 15%. Vous y allez. Salut Fallou, comment tu vas? 3-1 pour Mos Pélès. Comment tu vas, Mos? Allez, on y va. On remet les compositions d'équipe ici, les amis. Les compositions d'équipe, elles sont là. Elles ont pas bougé, je pense. Avec. Non, Borodin toujours là sur carton jaune. Salut Alvin. Allez, Épinal, Dynamé. Ou Name. Hein, c'est pas pareil, évidemment. Allez, on y va. Paris, c'est parti. 46 minutes de jeu pour Paris. 2-1 pour Lille. Allez, les Lillois sont toujours pas revenus sur la pelouse. Hein, juste terminer le travail. Allez, avec le dégagement du gardien de Pau. 1-0 pour Paris. But de Paredes avec une action à l'instant là. Un dégagement de Kurzawa. Ah, c'est Icardi qui réclamait une faute sur lui. Et toujours 1-0 pour Lille avec le but de Rémy. Est-ce que tu commandes des prolongations? Bah comme hier l'ami, comme hier. Ah il monte pas Lille, je suis d'accord avec toi. Tuxa Gaming qui dit absolument n'importe quoi encore une fois. Et Tuxa Gaming était là hier, donc prends 300 secondes directement. Allez on met, Tuxa Gaming, les amis, mettez lui 300 secondes. Il sert à rien encore une fois. Prochaine fois c'est dehors l'ami, encore une fois t'étais là hier. Allez, seconde période les amis. Les Lillois sont pas là. Avec maintenant pour Sarabia là sur côté droit avec la montée de Dagba qui va centrer. Dagba pour Sarabia, il passe dans l'axe et on donne derrière à Paredes. Allez, apparemment ça intéressant même Strasbourg. Ouais c'est gratuit quoi. Allez c'est parti les amis. Le coup d'envoi est parti de ce match. Avec le ballon directement sur le bon contrôle de Biron. Là avec Rosso. Le dégagement de Gabriel. Ah, avec le coup d'envoi. La deuxième mi-temps. Avec Rasso directement parti pleine balle. Carasso pour Borodin. Le centre directement devant Diallo qui remet dans l'axe. Avec Colin maintenant. Et ils sont partis pleine balle les joueurs là. Salut Lucas. Ah ok Paul, excuse-moi. Salut à Diallo. Ça va carrément bien l'ami. Moi j'ai plus confiance en Épinal qu'en Pau. Allez Biron, quel contrôle de Biron. Ah il s'est retourné, il a glissé. Et le ballon pour Crasso, il n'est pas hors jeu, est-ce qu'il est remis? Ah avec Eric Boca là. Et Lille en PLS complet comme à la fin de la première période. C'est reparti pleine balle. Pour. C'est incroyable quand même, franchement que Lille réagisse comme ça les amis là. Hein. Bizarre. Avec le ballon pour Sheka qui contrôle le genou. Il est pressé par Luvualu là. Avec le contrôle engagé par Bamba. Bamba pour Ikoné. Ikoné, la récupération de Tap. Tap qui passe. Tap. Oh, c'est bien défendu par Araujo. L'arbitre ne dit rien. Avec le ballon pour Jonathan Ikoné. Avec Rémi côté gauche, on est 25 mètres, il va être doublé avec Boca. Le contrôle de l'épaule d'Arojo. C'est parti pour Borodin. Le match débridé. Et le contre avec Biron là, tout seul en face de Gabriel, en face de Diallo. Biron qui est passé. Oh la talonnade magnifique pour Borodin. Borodin le centre pour Biron. La reprise acrobatique énorme. Salut Hassan. À côté de Rennes, Ludovic, j'ai déjà répondu, je crois, non? Je sais plus. Match incroyable, hein. Mais c'est incroyable, Épinal. Franchement, c'est surprenant, quoi.
Allez. Le ballon maintenant pour Sangaré. Avec Arojo. Qui remet sur Jérémy Pied. Salut Lucas. Salut Hassan. J'ai dit bonjour à Hassan. Allez, ballon pour Barodine. Avec Ikoné. Dégagé par Sangaré. Le contrôle de Biron, ils sont magnifiques les joueurs avec Borodine devant Seka. La récupération de Colin maintenant. Ah c'est dommage, c'est récupéré par Bamba. Bamba devant Louvalou là. Allez, Jonathan Bamba. Bamba avec Seka. Seka qui écarte, qui fait une passe aveugle pour Arojo avec Loïc Rémy. Ah, mauvais contrôle. Contrôle américain de Loïc Rémy avec Louvalou maintenant. Côté droit. Oh, il est tout seul. Oh, le contrôle de Biron et le mauvais contrôle de Diallo. Diallo, c'est une catastrophe. J'ai jamais vu un joueur aussi faible, franchement, depuis un moment. Diallo, c'est une catastrophe. Avec le ballon dégagé par... pardon. Par Eddy, hein. Avec Borodine pour Biron. Borodine. Et j'ai un pied qui passe tranquillement. C'est bien joué. Et le dégagement. Avec... Oh, magnifique ce qu'a fait Gas. La faute de Gabriel. L'arbitre siffle. Migagori. Le coup franc pour... le coup franc pour Épinal. Incroyable. Salut aux 200. C'est dingue. Dingue ce qui se passe. Allez, les Lillois qui sont pas au mieux, les amis. Avec Colin qui va tirer le coup franc, les amis. Une occasion pour lui, peut-être. Avec le ballon pour Colin. C'est bien tiré. La tête. On passe à côté. Et le but de Paris. Il me semble à l'instant, les amis. Ah non, pas le but de Paris. Et c'est le but de Paris. Le golazo parisien. Le golazo parisien à l'instant. Mais c'est juste pour Paris. Pour les Parisiens. 2-0 pour Paris. Allez. Ah, c'est un peu compliqué. Un peu compliqué. Ah, j'avoue là. Pour les joueurs là, c'est un peu tendu. Hein. Ouais, le magnifique but là. Je crois que c'est Sarabia. Allez, Sarabia. Sarabia à la 53e minute de jeu. Et lui, dès qu'il marque des buts, il est une passe D de d'Icardi. En vrai, j'aimerais bien qu'on perde. Camille, ah ouais? T'aimes pas la Coupe de France? Ah, elle est belle la Coupe de France. Ouais, 2-0 pour Paris, les amis. Hein. Avec maintenant Crasso, il passe, il est passé, c'est un peu trop long pour lui, le 6 mètres pour Mac Maignan, 1-0 pour Lille, et donc Pau c'est fini. Hein. Il faut rater les matchs de coupe, pourquoi tu dis ça Tony? C'est trop bien la Coupe de France ami. Diallo est trop balèze, ah non, il a joué latéral, Raphaël Velsin, t'es d'accord avec moi ou quoi? Ou Fusion, il a arrêté, il a fait le match en latéral contre Gonfreville, c'était une tannée de ouf. Alors Diallo, je trouve vraiment pas bon, quoi. Après, c'est que mon avis, hein, l'ami. Hein, encore une fois. Allez, Paris fait le taf, en tout cas. Hein. Salut, Olivier, comment tu vas? Avec... Peut-être Osimhen qui va... Peut-être changer, là. Avec un changement, Victor Osimhen qui va rentrer. Allez, avec la touche pour Boca qui cherche Rémy justement qui va mieux. Avec Lille qui récupère là. Ça passe derrière pour Gabriel avec Diallo. Avec Pied perdu avec la récupération de Borodine.
Borodi maintenant pour Makengo. Avec Arojo, il a failli faire le tacler Makengo. Et la faute de Colin. Ah, c'est mal joué, c'est mal joué. Lille qui est vraiment pas au mieux. Hein. Oh, 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 c'est vraiment, vraiment bizarre. Hein. Avec l'accélération, la faute de Soumaré, c'est récupéré. L'arbitre ne dit rien. Repris légalement apparemment les amis. Compo de Lille. La compo de Lille, l'ami est là. Bouge pas l'ami. Hop, hop, pop. Salut Bang Bang. Il me fatigue tout ça gaming. Il me fatigue de ouf. Hein. Oh là là. Il va marquer direct. Ou une passe D. Le centre maintenant pour Crasso. La main peut-être. Il réclame une main. Il réclame une main les joueurs. Ah oui mais dans ces cas-là, ami, tu fais que le championnat et tu te fais chier. Dans ces cas-là, tu... Oh là 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 là. Et le but d'Épinal. Oh le but d'Épinal. Le but d'Épinal. Le goal, 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 Épinal incroyable. C'est ultra mérité les amis. Quel but. Oh. Un but à zéro. Et c'est mérité. Épinal qui est en train de faire l'exploit de ouf les amis. Et Rush Skill, tu prends clairement... Hop, un ban définitif. Rush kill, ban définitif l'ami. Ça ne sert à rien de revenir. Le golazo d'Épinal. Incroyable. Et Ayman, prochaine fois l'ami, tu prends un ban définitif. On ne spoil pas l'ami. S'il te plaît, sois sympa sur le chat. Donc rush kill par contre toi. Oh, je suis vache quand même. Je suis vache. Je vous laisse encore une chance l'ami. Sinon franchement après c'est ça, vous dégagez. Parce que c'est relou. Bah, je peux même pas te remettre, donc comme ça c'est simple. Je peux même pas te remettre. Est-ce que vous pouvez débloquer Rush Kill si ça vous dérange pas? Le but incroyable. Un partout pour ce match est mérité. Le but d'Épinal, le but de Biron je crois. C'est Crasso qui marque les amis. Incroyable, c'est Crasso qui marque. C'est mérité de ouf hein. C'est mérité, mais alors, mais de ouf fini hein. 54 minutes de jeu, Crasso à partout, vous rêvez pas. Et ça pousse de ouf. Et s'il faisait l'exploit avec Colin, le ballon pour Crasso. Ah c'est mal joué. Merci l'ami. Et Rushkill donc dernier abattissement. Ça sert à rien de faire ça, ça sert totalement à rien. Tu bousilles tout le live en faisant ça. Allez, Épinal qui a donf les amis. On remet les stats. Et vu les stats, de toute façon c'est mérité. Hein. Avec le ballon pour Gabriel. La récupération, les Lillois qui sont un petit peu dans le mal les amis là. Incroyable quand même, incroyable, sans déconner. Les vagues. Et là on voit, il est en PLS total. Bon, Tuxa Gaming, dernière fois, sinon tu dégages définitivement. C'était relou, lui. Pff, je pense que je vais même le dégager définitivement. Je vais mettre 20 000 minutes dans la gueule. Tout le match. Magnifique but de Grasso. Hein. Je suis en train de lui mettre au moins 5 minutes. J'en fais mon métier, bah j'aimerais bien l'ami. Allez, 56 minutes de jeu. Épinal est en train de faire un truc de ouf, les amis. Salut Maïsé Goutaté. Avec le ballon pour Jérémy Pied. Et la récupération au milieu de terrain, encore une fois, par Sangaré. Avec Rémi, la perte de balle, il peut faire que ça aille loin. Le tacle de Colombien qui va dans l'axe avec Bamba. Oh l'arrêt. Oh quel arrêt de dire. C'est pas qu'un nom de chanteur, c'est aussi un gardien de but. Et la faute sur Arojo. Quel arrêt de dire. C'est chiant que tu sois H24 agressif. Voyons que tu passes pas souvent l'ami sur les chats. Hein.
Je suis bien obligé de dire que c'est relou les gens qui spoilent. Enfin, sinon je dis rien et puis les gens qui sont sur le chat, du coup ils passent un mauvais live. Et Mike, je suis pas du tout agressif. Hein. Est-ce que je suis agressif, les amis? Dites-moi oui ou non. N'importe quoi. Match du Real tout à l'heure. Real tout à l'heure? Est-ce que je suis agressif, les amis? Dites-moi. Agressif. Je sais pas ce que c'est les gens agressifs. Hein. J'ai pété les oreilles. Ouais, c'est un. Je suis juste franc et anti, l'ami. C'est pas pareil. Avec Sheka, le ballon contré par le mur. Il n'y a pas de main. Et le contre lancé maintenant par Borodin. Avec Bamba qui défend et qui fait la faute en plus. C'est Ikoné qui fait la faute. Bon, je crois que t'as la réponse, Emeric Calvez. Hein? Non. Parce que les spoils, c'est relou pour les gens. Je suis obligé de gueuler sur quelqu'un qui fait yesh, tu vois, l'ami. Sinon, je dis rien, et puis c'est la kermesse, et puis voilà, tu vois, les gens, après, c'est pas un bon chat, du coup, ils s'en vont. Donc voilà, si tu fais pas la police, les gens comprennent pas. Donc, l'ami, t'as ta question, t'as ta réponse. Hein. Tu me connais mal, hein, encore une fois. H24 en plus, donc c'est-à-dire que toute ma vie, je suis agressif dans mon vie privée. Pas de jugement hâtif, l'ami. Avec le ballon maintenant pour Jérémy Pied. Et puis si t'es pas content, Émeric, si t'aimes pas ma ganache et mon comportement, mon caractère. Moi, je suis anti, hein. Je triche pas. Avec le ballon maintenant pour Colin. Allez, Colin, qui dégage sur le Valou. Il y a encore de l'espace, là. Avec Crasso pour tape. Bon, pour Borodin. Allez, Borodin qui écarte sur Makengo. Allez, ils sont en train de dominer. Merci, Pietro. Salut, MXI, comment tu vas? Est-ce que Lille va laisser la recette? Ah, bah, s'ils perdent, ça va être chaud. On t'a ta réponse, Emeric. Bon, voilà, j'ai envie de te dire... Ah mais c'est pas un rageux, en plus il passe souvent, je sais pas pourquoi il craque le mec là. Ouais, il je sais pas. Avec ballon maintenant dans l'axe, avec Soumaré. Avec Gabriel. Une demi-heure et ils sont en train de faire l'exploit de ouf, hein, les joueurs de d'Épinal, les Spinaliens. Salut Clément, comment tu vas? Salut la chaîne de Pablito. Oh la faute là de Sheka réclamé. Et c'est Biron qui va avoir le... Et Sheka qui fait le carton jaune carrément pour Sheka. On parle d'un cheval entier lorsqu'on ne peut pas couper des parties. Ah ok Antoine. Aucune des deux l'ami, mais plutôt Rennes en général. J'ai toujours de bonne humeur. Bah ouais, bah, de toute façon il répond pas Emeric, donc je pense qu'il a dit ça comme ça, hein, tu vois. Comme ça. Ça lui fait plaisir en tout cas. Mais je t'en veux pas, si tu m'aimes pas, je suis pas t'obliger, hein, les miens. Avec le coup franc tiré par Épinal, là, les amis, là. Et ils sont en train de dominer, 5 et taré. C'est incroyable, comme ce qu'ils sont en train de faire. La mauvaise défense! Et la but! Le but d'Épinal! Le golazo d'Épinal, les amis! C'est incroyable ce qui se passe! 2 buts à 1! L'exploit de Biden 2, ils sont en train de faire pour l'instant! Mais c'est pas possible! Lille est en train de craquer! Épinal 2, Lille 1! Mais c'est incroyable ce qui se passe! Oh là 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 là! En 5 minutes! C'est magnifique, je crois que c'est Makengo qui marque! 2 buts à 1, les amis, pour Épinal! Oh là 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 là! Y'a pas eu de spoil, Amir! Y'a pas eu de spoil! Y'a pas eu de spoil, j'ai dit avant, j'ai regardé! Le but! Pff, énorme! Énorme! Épinal joue le titre! Incroyable! Oh là 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 là! C'est dingue! 2 buts à 1! Ils sont en train de faire l'exploit, les Spinaliens! C'est dingue! C'est monstrueux! Et c'est Crasso le doublé! Pas possible! C'est Crasso le doublé, les amis! À la 61ème minute de jeu! C'est Crasso et Osimhen qui rentre! 2-1, vous rêvez pas ceux qui viennent d'arriver! Lille est en PLS complet! La tête du Turfu, tu m'étonnes, était énorme cette tête, petite tête comme ça! Épinal pour l'instant est qualifié, mais il reste évidemment une demi-heure. Belfort a éliminé Montpellier hier. La Coupe de France est incroyable, les amis!
je te vois en train de gueuler, Hugo, hein, carrément. Ah, il paraît que je suis agressif d'après Emeric, il ne répond pas. Je pense qu'il a pris il a pris une rafale, il est parti vexé. Allez, Osimhen qui est rentré, 2 buts à 1, c'est incroyable. C'est dingue quand même. On parle du deuxième de l'an dernier quand même. Avec le ballon maintenant pour la défense. Et Lille, il faut qu'il se réveille. Hein. Et Lille va se découvrir justement. C'est pas leur habitude là, Lille de... C'est dingue. J'en reviens pas avec Ikoné. Ah, la Coupe de France, je regrette pas d'avoir fait tous les matchs. Hein. Parce que là, franchement, hier, l'Angers-Rennes, le Belfort-Montpellier... Ah, oh, j'adore. Là, c'est kiffant. Plutôt Rennes, Gaspard. Et Pinal gagne. C'est dingue. C'est dingue. Jusque... Ah, je me suis mal exprimé. Jusque tu t'emportes vite quand t'as les spoilers. Ah bah oui, je m'emporte vite. C'est relou, l'ami. Emeric, c'est relou. Tu comprends, c'est chiant, quoi. Au bout d'un moment, les gens, ils comprennent pas. Ils refont. Donc je m'emporte vite parce que c'est relou, quoi. Ça, c'est... Tu fais un live, tu commentes un match. Et puis, à côté de ça, les mecs, ils te le bousillent, en fait. Avec l'accélération, maintenant, encore une fois, de Biron. Et la bonne défense de Diallo, heureusement. Avec Arojo pour le contre-poitrine d'Osimhen. Osimhen qui se retourne avec Luvalu qui dégage en devant pour... Là maintenant, soit Lille va appuyer ou soit ils vont défendre comme des porcinaires. Parce que je pense que Épinal, en plus, ils veulent en marquer un troisième. J'annonce, ils en mettent un troisième, Lille ne revient pas. C'est dingue. Alors là, franchement, je ne vais même pas être dans la peau de Galtier. Lui qui est bouillant de ouf. T'inquiète, hein, l'Américain. Avec Rasso, heureusement que Diallo montre le patch. Le patch, je fume pas l'ami. Je pourrais te montrer mon patch, mais je fume pas. Allez, ballon pour Bamba. Bamba côté gauche maintenant pour la montée d'Eric Boca. Le centre pour Osimhen. Il est tout seul, mais défendu par Borodine. Avec le ballon pour Jérémy Pied. Le centre, la sortie du dire, le box du point comme Superman. Et maintenant c'est engagé pour Biron. Biron devant Diallo. Il passe devant Biron. Il passe devant, il est plus rapide. Oh, c'est bien défendu. Bien défendu. Ah, je le critique, mais là c'est bien. Il a fait du sale là. Des porcinets, ouais. Liverpool, ouais, juste après la mi. Et la cote, du coup, d'Épinal à 1,57. Rendez-vous compte, les amis. 1,57. Salut à toi, Épinal qui met Lille en PLS. C'est ouf, El Nono. Et bombardez la barre des likes. On arrive à 300 likes, les amis. Allez, il y a des changements. Donc, il y a Rémi pour Osimhen. Ah, Lille est pas bien. Non, mais Lille est pas bien, oui. Mais Épinal est bien. Ça qui est fou, quoi. Avec le ballon pour Bamba. Bamba qui va peut-être s'élancer là. Avec maintenant pour Jérémy Pied. Pour Rémi qui court encore. Avec Loïc Rémy, le centre. Le Rémy qui revient derrière. Avec Jérémy Pied maintenant. Pied devant Borodi. La tête. Et la reprise de Bourguet sous marée avec le Rémy. L'enroulé du ballon. Et dans les grands du dur. Oh là 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 là. C'est chaud bouillant. Il y a tapé, il y a un joueur qui a pas l'air au niveau, les amis. C'est fou, hein. C'est quand même fou ce qui se passe. Et Benjamin André qui va rentrer, les amis. c'est Origi, Hakim. Boulou, non, je crois pas, je pense pas. Liverpool joue contre West Ham tout à l'heure. Allez. Donc Rémi. Alors Rémi pour Osimhen. Et Sheka pour André. Allez le ballon maintenant pour Gabriel. Il y a un changement. Ah, il y a un blessé pour Épinal, les amis, là, malheureusement. Ah, c'est des crampes de ouf.
Salut Gilles Fontanaz. Why Lille lose? But de Pau, non, pas du tout, l'ami. Pas du tout, l'ami. Alors, s'il y a but de Pau, les amis, s'il n'y a pas but de Pau, je banne Rochekill. Emmerich, si tu m'écoutes, franchement, lui, il est relou. Hein. Alors, est-ce qu'il y a but de Pau? Je regarde. Pas du tout. Hein. Il n'y a pas du tout but de Pau. Donc, Rochekill, tu dégages et on ne te verra plus jamais. On est content. On est vraiment content. Salut, Nawaz. Rochekill, allez hop. T'as vu comment c'est chiant, Emmerich? Et encore, je suis cool. Ballon pour Biron. Allez, Biron. Biron, ils ont trois joueurs. Biron et Crasso. L'appel de Crasso. Le danger, il est passé. Pas possible quand même. Oh, l'action pour Biron qui se retourne à côté. Allez hop. Salut Arkaz Anubis, comment tu vas l'ami? Quelle chaîne? Tu fais pour l'inscription chaîne ami. Salut Tanguy. Avec le ballon pour Maignan avec avec Diallo. Allez, ballon pour Diallo maintenant avec Benjamin André qui va peut-être apporter un peu plus de tenue au milieu de terrain ou de Grinta, parce que c'est quand même pas terrible. La récupération directement pour les Spinaliens. Et Biron Crasso, ça met à mal Diallo Gabriel. Hein. Il manque fond, c'est clair. Biron maintenant pour Colin. Et l'extérieur tranquillement, la transversale pour Luvalu. Il passe en grand pont, Eric Boca. Il n'a pas été ouf non plus le pauvre Boca, le jeune là. Pas non plus le tomber dessus, mais. Avec. Mais après, les équipes amateurs, entre guillemets. Des fois c'est leur taf complet et bah des fois les amis Épina dans mon cœur. Salut Mathéo, comment tu vas? Ouais c'est énorme, la liste est énorme. Putain les mecs ils sont insupportables quoi. Avec ballon pour Crasso. Allez avec ballon côté droit. Allez, 20 minutes, hein. 20 minutes, les amis. Je vais mettre plus de 300 secondes, tu vois. Plutôt Rennes, Olivier. Salut, Moarbet, comment tu vas? 2-3 pour Lehmann. C'est sur Eurosport 360, les amis. Avec Soumaré, la récupération de Colin pour Crasso, encore une fois, le double buteur. Il donne à Biron. Oh, c'est incroyable. Avec le ballon maintenant pour... pour Soumaro. Soumaro, non, on n'est pas là, c'est Gabriel. Avec Boukari Soumaré pour Gabriel. Il reste 20 minutes, hein. Les Lillois, faut qu'ils réagissent, sinon c'est mal barré pour eux, hein. Alors qu'ils menaient 1-0, rendez-vous compte quand même. C'est déjà. Salut Nawaz. Point d'exclamation. Chaîne. YB. Salut SFK Téléfoot, comment tu vas? Épinal, c'est ouf, hein. Et Sanchez va rentrer à la place d'Arojo, je pense. Avec le ballon maintenant pour Arojo, je pense. Arojo qui a été très très bof hein, aujourd'hui. Avec Boubacaré Soumaré pour... avec Boubacaré Soumaré, le centre de Jeremy Pied. Borodine un peu en retard. Et c'est récupéré par Colin. Merci Tanguy. Et les amis, abonnez-vous à la chaîne, hein. C'est juste là en dessous et votre nom apparaît ici. N'hésitez pas si vous voulez me suivre dans d'autres matchs tout à l'heure, par exemple West Ham Liverpool, ou alors Atletico Madrid Real samedi, ou alors Nice Lyon demain. Le tirage au sort, peut-être avec Épinal et Belfort. Allez, Arojo pour Sanchez. Et franchement, je regrette pas d'avoir fait la Coupe de France. Hein. De toute façon, en même temps, je fais tous les matchs. Avec le ballon pour Arojo. Ballon pour Sanchez, car Arojo est sorti, pardon. Avec Diallo. Avec la montée de Bamba. C'est pressé par Léonard. La défense à 3 est très bonne en tout cas.
Et le centre pour la tête de Rémi, dégagé par Zangaré, avec la reprise de André, le coup de genou, Osimhen, la frappe de Sanchez, avec Rémi maintenant qui décale sur pied, l'enroulé de Jérémy Pied, hein, c'est dégagé par Louvalou, et ça défend de ouf, il reste 17 minutes de jeu dans ce match. Avec Ikoné, le centre pour Rémi, la tête défensive de Sangaré, avec la reprise de volée. Oh, il monte au-dessus de tout le monde, Idir, et la frappe d'André. Oh, il est contré, il n'y a pas de pénalty. Oh, ils sont héroïques, et le contre engagé, mais c'est récupéré par Diallo. Diallo qui passe tranquillement. Alors là, il y a le feu dans la défense spinalienne, les amis. Avec Sanchez maintenant, il y a André qui reste à terre avec Jérémy Pied. Fin de frappe pour Sanchez, l'ancien du Bayern. Recruté pour 25 millions d'euros. Merci pour l'abonnement, Vox Zani. Angers-Rennes, c'est ouf hier. Avec le petit ballon lobé. C'est chaud quand même. Ah, il reste 13 minutes de jeu. Et pour l'instant, les amis, merci Johan Ronaldo. Merci Benjamin Chalet. Incroyable, franchement. Allez, je vous mets les changements de Lille. Même pas le temps de les faire, tellement c'était fou. C'est dingue. C'est complètement de dingue. Allez, avec une petite blessure de Colin, je crois. Abdoulaye Niang qui va peut-être rentrer à la place de Colin. Et, ouais, il boitille un petit peu derrière la cuisse. Hein. Les amis, on fait un petit à chaque prophétie. À votre avis, maintenant comme ça, est-ce que Épinal peut gagner ce match? Vous mettez oui ou non. Est-ce que Épinal peut remporter ce match, oui ou non? Les Lillois, réveillez-vous aussi dans le chat et dites non, non, non à Dronf, évidemment. Parce que là, après Belfort hier, Dijon, c'était chaud, 120e minute de jeu, le but de Cadiz contre Limonest. Et là, Épinal qui est en train de faire un coup énorme contre le dauphin du PSG de l'an dernier. Imaginez-vous quand même l'Ajax Amsterdam contre Lille. Et là, Épinal Lille et Épinal qui est en train de battre les Lillois. C'est dingue. Allez, on y va avec les compos là et les trois changements. Là, il voulait faire pas de changement, mais Araújo, Sanchez, Osimhen, Rémi et André. Avec Sanchez maintenant pour André. Ballon pour Borodin. On est 600 sur le live. Et les amis, si ça vous dérange pas aussi, 600, on devrait être à 300 likes. Bombardez la barre des likes et pour me faire plaisir, pour récompenser un petit peu. Oh là là là, quel match de ouf! Quel match de ouf, les amis! Allez. Quelle action les amis, franchement. On revoit le but à l'instant là. Et le changement, Abdoulaye Niang. Non les amis, je fais West Ham Liverpool. C'est fou hein. Abdoulaye Niang, Jérôme Collin qui sort. Quel match, quel match de ouf les 600. Et 2-0 pour Panam, ça change pas. Et 2-1 pour Lille, pour Épinal, vous rêvez pas les amis hein. C'est juste bouillant. Hein. Allez, allez, allez. Avec le ballon maintenant pour les Spinaliens. La reprise de volée de Biron. Elle est au-dessus. Oh là là, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est incroyable. Sans déconner, c'est dingue. C'est juste fou cette histoire. Allez, avec le ballon maintenant pour la défense, là, Sangaré. Avec Osimhen qui va essayer de presser un petit peu plus haut. Avec le ballon pour Jérémy Pied, pour Osimhen qui est passé devant, avec Rémi qui a glissé. Et le dégagement de Sangaré à l'arrache, c'est contré. Et le contre maintenant engagé par Niang justement, qui vient de rentrer, Abdoulaye Niang. Biron maintenant, avec Borodin. 13 minutes de jeu, Galtier prend le ballon et il gueule. Vive les Spinaliens. Qui mène? Bah c'est marqué l'ami. C'est Épinal. 2 buts à 1. C'est incroyable quand même. Et quand on voit par rapport aux stats. Et là il y a du Sanchez. Là il y a du André. Il y a du Osimhen. Là ça rigole pas les amis. Hein. Avec Benjamin André. Allez André. Ballon perdu. Et franchement on est plus proche d'un 3-1 que de... Bon j'exagère quand même. Je suis mauvaise langue. Avec André. André avec la remise.
Exact, acolyte magique. Eurosport 360. On oublie aussi Trélissac. Ouais. Ouais, ou Grandville aussi, ouais. Non, si, c'est ça, c'est Grandville. Alors, les Pueblos, hop. Vous pensez qu'un nul ou Lige gagne quand même. C'est-à-dire, l'ami, les buts sont trop petits. Oh putain. Faites ceux qui demandent la chaîne, c'est point d'exclamation chaîne, les amis. Attaché. Et Raphaël, il est là, le pauvre. Oh la vache, le pauvre. Je me. Allez, les Lillois, s'ils se font éliminer, c'est quand même dramatique, les amis. Hein. Et Benjamin André. Oh, la grosse faute. Ouh, la grosse faute d'André. Qui peut prendre un carton jaune, les amis, là. Benjamin André. Grosse faute, hein. Énorme faute de Benjamin André, là. Et une énorme faute, les amis, là. Ah ouais, ouais, il... Ah, y a rien à dire. Y a rien à dire, y a faute. Avec le ballon maintenant pour Biron qui est passé en sombrero. Pff, incroyable. N'hésitez pas les amis, hein, si vous voulez, sur le sponsor OnePlay, mettre votre mail pour recevoir l'application en premier dès qu'elle sortira. J'en profite les amis. N'hésitez pas. Hein. Gros saut de Benjamin André. Avec OnePlay les amis, ici. Mettez votre mail pour recevoir l'application en premier. Merci Diego. J'ai mis le lien. Vous allez sur OnePlay, vous scrollez, vous mettez votre mail pour recevoir directement le lien. Eurosport, c'est une chaîne payante. Ouais, 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 carrément. Avec Sanchez. Oh là là là. Directement dans les gants de Didier. Avec Osimhen qui vient presser haut. Incroyable quand même. Avec le dégagement maintenant de Didier. Il reste plus que 10 minutes, les amis. 10 minutes pour l'exploit, peut-être. C'est incroyable. C'est incroyable. J'en reviens pas quand même. Autant d'exploits. Et maintenant pour Biron, qui est un monstre aujourd'hui. Avec Biron qui se retourne en face de Sanchez, quand même. C'est fou. Avec Nyang, Biron qui dévie sur Crasso. Allez, dégagement pour Pied maintenant. Avec le ballon pour Borodine qui est passé. Borodine, le geste technique énorme. Il recommence. Il va peut-être jouer à avoir un corner. Oh non, mais qui... Oh, il a failli avoir penalty. Oh, Jérôme Miguel Gori qui a failli signer. Oh, on était à la limite du penalty. Sifflé, les amis. Oh là 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 là. Borodine, un monstre. Ça manque d'un latéral gauche à Paris. Je rigole. Double crochet énorme devant Jérémy Pied. Et il centre au cordeau. Mais qu'est-ce. Et franchement, je suis désolé, les amis. Hein. Diallo, c'est pas un monstre. Faut arrêter le délire au bout d'un moment, quoi. Le mec, c'est de la N2, quoi. Eh, hey, faut se réveiller un petit peu, les amis, là. Avec le ballon maintenant pour Jérémy Pied. Le centre, la reprise, peut-être. La tête. Qui remet derrière. Avec le ballon dégagé devant. Oh là là là. Et il obtient le coup franc. Il obtient le coup franc, les amis. C'est dingue. C'est dingue, dingue ce qu'il est en train de faire. Rendez-vous compte de l'exploit qu'est en train de faire Épinal, les amis. Si j'avais su, j'aurais pu jouer une pièce sur Épinal. La cote était à 23. Et le stade qui se réveille. Les 5000 personnes du stade. Avec le ballon maintenant pour... Ah, le mauvais contrôle de Makengo. La récupération d'Osimhen. Il est passé, Boubacari Soumaré en box-to-box. Ils sont en supérieur numérique avec Osimhen. La roulette. Le ballon pour... Osimhen pour Sanchez. La frappe. Oh, c'était le... Et Loïc Rémy. Ah, c'est Rémy. Ok. Ils ont faim de ouf. Il y a un appel pour pas envahir le stade. Les supporters d'Épinal, les amis, montrez-vous sur le chat à Donf. Et supporters lillois aussi. Il reste
environ 10 minutes à jouer. Peut-être un quart de finale historique, comme pour Belfort. Ah, s'il y a un Belfort-Épinal, par contre, c'est dramatique. Il y aura peut-être, les amis, s'il y a un Épinal-Belfort, admettons, il y aura peut-être un club de N3 en demi-finale de Coupe de France. Merci pour l'abonnement, Enzo Morer. Abonnez-vous en masse si vous voulez suivre avec moi des matchs, les amis. On était 800 hier pour Rennes-Angers. Est-ce qu'on va battre le record de hier de Coupe de France? Avec le centre maintenant pour Sanchez derrière le but. Ah là 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 là. 7 minutes. Et Lille, je vois pas comment ils peuvent marquer. Allez, Xavier Collin qui le coach. Troisième dernier changement. Et Alpha Kubota qui va rentrer. Et Makengo qui a fait un match énorme, les amis. Quel match énorme de Makengo. Franchement, il a été monstrueux. Allez, avec... Alpha Kubo Tasawane. Un Africo-Japonais. Avec le ballon dans le milieu de terrain pour Soumaré. Heureusement qu'il est là pour tenir le... André, il est transparent depuis qu'il est rentré sur le terrain, les amis. La récupération maintenant de Luvoilu. Oh, il passe tranquillement le double contact. La récupération d'André, justement, j'en parlais. Épinal en train de faire un exploit de ouf, les amis. Allez, ballon pour André qui se retourne. André qui va mettre derrière sur Boca. Avec Diallo. Boca maintenant pour Jérémy Pied. Osimhen. Avec Sanchez pour Oidi, il sort pas! Incroyable. Sanchez, il fait une rentrée, mais complètement pourri, les amis. Pourri. À quelques minutes de l'exploit, les amis, c'est fou quand même. Allez, au final, 3-0 pour Paris. Ah! Oh, j'ai pas, moi. J'ai pas 3-0 pour Paris, les amis. C'est pas le bon score pour Paris. Il y a 3-0 pour Paris. Le ballon maintenant pour Biron devant Diallo. Comment ça c'est pas le bon score? But de Paris. Ah, moi j'ai rien pour Paris, les amis. Pour l'instant en tout cas. Il y a but pour Paris ou pas, les amis? Avec le contact Rémy et Idir. Il y avait une cote de 23. Ah, il n'y a pas de but pour Paris. Ah, d'accord. Le route. Non, mais les amis, Ali, Loric et tout ça, ça ne sert à rien. Bilal et compagnie, ça ne sert à rien ce que vous faites. Il n'y a même pas de but pour Paris. Ah, les faux spoilers de ouf. Tu vas saouler la gueule, Verzace. Allez, il reste 4 minutes de jeu. Bon, Ali, Loric. Tac. Allez, hop. Ayoric, Bilal, paf, hop aussi, ça dégage aussi. T'as vu, Améric, c'était encore sur le chat. Hein. Allez, le ballon pour André. André avec... Est-ce qu'il y a... Et non, c'est pas encore récupéré, Damien. Hein. Le ballon pour Soumaré. Allez, Soumaré qui récupère. Soumaré... Avec le ballon maintenant pour Bamba. Bamba qui temporise. Et hop, paf. Avec Jérémy Pied maintenant pour Sanchez. Renzo Sanchez. Sanchez le centre. C'est dégagé. Et le corner. Non, c'est la touche. La touche pour Lille. Incroyable. Allez, les amis. Et donc les petits joueurs qui arrivent pour spoiler, les amis, c'est dommage, mais ça passe pas. Hein. Ah, il reste 3 minutes de jeu. Mais les mecs, c'est un sport national, le spoil. Ils ont que ça à foutre. Allez, corner pour Lille. Corner pour Lille, les amis.
Avec Bamba, c'est bien tiré. La défense d'André, il tente une magère, dégagée par, par Sangaré. Et la touche pour Lille. Oh là là là. Salut Wimi, comment tu vas? Allez, Renato Sanchez. Avec Diallo. Oh là là, mauvaise transmission énorme. Ah là 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 là. Transmission énorme, le Marseillais. Il n'y a pas de 2 du tout, l'ami. Tu lui dis des conneries. Allez, toujours 2 buts à 1, les amis. Il reste une 45. Allez, on est 800. Avec le centre maintenant. Dégagé par Maignan. Oh là, il met deux derrière. Avec Rémy maintenant. Pour le dégagement un petit peu à la rage de Gas. Le tirage 20h45, l'ami. Oh là 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 là. On est 825. Allez, faites-moi péter. Bon, le dégagement. Avec Borodin maintenant. Le ballon sur Rémy avec Osimhen. Dégagement de Gas. On a une 20, les amis. Une 20. Avec Fulgas. Il est énorme. Avec le ballon pour André. Ils sont à pas longtemps, les amis, d'être sortis, les Lillois. Avec Osimhen maintenant. Le dégagement de Gas. Avec Boubacar Soumaré de côté gauche. Marseille, non, je fais West Ham. Je vais mettre un truc en place demain, les amis, pour... C'est pas drôle, l'ami, hein. Avec le ballon maintenant pour... Il y a 2 ou 5 minutes de jeu. D'arrêt de jeu. Avec le ballon pour... Boca, le centre. Oh, c'est contré magnifiquement par... par Léonard. Demain, oui, Charles-Georges. 5 minutes d'arrêt de jeu. Avec la frappe dans le dos. Oh, c'est bien dégagé. 5 minutes. 5 minutes. Alors c'est corner. Oh là 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 là. Merci Emery. Emery, Mimi, Fortnite pour l'abonnement, l'ami. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like, ça récompense un petit peu le travail. Allez, 5 minutes d'arrêt de jeu, les amis. 5 minutes 10. Le corner, le dégagement magnifique. 5 minutes de Netflix en plus, les amis, avec il a glissé. Oh, quelle défense de d'Alpha là. Qui est passé, il perd le ballon, la récupération au milieu de terrain pour Boubacari. Salut Zafal TV, merci pour l'abonnement. Avec Rémy. Rémy qui met sur le côté droit maintenant avec Soumaré. Soumaré avec André. Extérieur du pied maintenant pour Eric Boca. C'est Bamba, pardon. Bamba en face de Tab. Bamba le centre. L'arrêt Didier. Oh, Gabriel, il loupe sa reprise de volée avec André maintenant. Il faut dégager ça, les Spidaliens. Qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, il est encore dans le ballon! Oh, il loupe le ballon, Gabriel! Oh là 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 là! La balle d'égalisation! Au point de pénalty pour Gabriel! Il loupe! Lille est en train de sortir, les amis! C'est incroyable! Lille est en train de sortir! Mais c'est dingue! Comment c'est possible, ce qui se passe, les amis? Lille est en train de sortir! C'est juste bouillant! Oh là 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 là! C'est bouillant! Allez, on y va. Le dégagement maintenant. Avec Soumaré. Soumaré pour Sanchez. Il fait une faute en plus. Sanchez fait une faute. Oh là 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 là. Lille est en train de sortir. L'exploit est proche, les amis. Bientôt, bientôt, l'exploit. Rendez-vous compte quand même. Oh là là, mon pauvre Raphaël Velsin. Les amis d'Épinal, n'hésitez pas à liker le like. Likez le like. Likez le live. Salut Robin Handball. Oh, le centre magnifique. On a vu le cafouillage énorme dans la surface de réparation de Dir. Et c'est une base. Il y a une base. Il y a hashtag MMA. Il y a une bagarre, les amis. Hashtag MMA. Il y a une bagarre. 3 minutes de jeu. Il y a une bagarre, les amis. Ça pète les plombs de ouf. Hein. Bagarre de ouf, les amis. Hashtag MMA. Renato Sanchez et Alpha. Il va y avoir des cartons jaunes. Hein. Oh là 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 là.
Et carton jaune pour Gabriel, qui a pété les plombs de ouf. Allez, 2-30 de jeu. 2-30 de jeu, les amis. Incroyable. Je ne reviens pas de ce match. Avec le dégagement de... De Maignan avec Jérémy Pied pour Diallo, Gabriel. Le centre de Diallo. La sortie de Dier. Et il se couche par terre. Une 15. Oh, papa. Allez, 2 minutes 10. Et Pinal est en train de faire un exploit de ouf, les amis. Allez, ballon maintenant pour la tête. La tête énorme. Avec Alpha, Diallo. Le ballon pour Osimhen maintenant. Osimhen sur le côté pour Bamba. Bamba sur le côté droit. La tête défensive. Avec full gas maintenant. C'est incroyable ce qui se passe, les amis. Avec le ballon maintenant au côté droit. Avec la récupération de Biron. Mais c'est récupéré par Bamba. Il reste une 32 jeu. Le centre d'André pour Osimhen. Oh, il a sauvé Gas. Il est monstrueux, Gas. Gas, c'est au monstro. Gas, c'est Thiago Silva. Oh là là. Incroyable de vivre ça, les amis. C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. Actuellement, là. Il reste une 15. Épinal est au bord de l'exploit. Avec Gabriel. Gabriel contre poitrine. Avec maintenant pour pied. Oh là 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 là. Incroyable. Il reste une minute. Dans une minute, c'est l'exploit d'Épinal. Rendez-vous compte quand même. Dans une minute, c'est l'exploit d'Épinal, les amis. Ok, Maïsi Guatate. Ok, l'ami. Très bien. Et toi, tu recopies pas le Becherel, par contre. Essaie de recopier le Becherel avec sans faute et tu repasses. Allez, avec le ballon. Merci pour ta participation. Mec, il a que ça à foutre. Avec la tête d'André et la touche pour Épinal. Dans 30 secondes. C'est incroyable. Incroyable. Le terrain va, je pense, être envahi. J'enlève les côtes qui sont à 500, évidemment. Avec le ballon pour Maignan. Il reste 15 secondes de jeu. 15 secondes de jeu, les amis. Ça repart. Il reste le dernier ballon. Avec Bamba qui bouge pas. L'arbitre va siffler la fin du match, peut-être. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est fini. C'est terminé. Qualification d'Épinal. Qualification d'Épinal en quart de finale de Coupe de France comme Belfort. C'est incroyable. C'est bouillant. Quel exploit de l'équipe de National 2, les amis, contre le dauphin du PSG l'an dernier. Oh, la Coupe de France après Belfort qui élimine Montpellier. Épinal élimine même pas en prolongation. 2-1. C'est bouillant. Doublé de Jean-Philippe Crasso, les amis. Et le but de Rémy alors qu'il menait 1-0. C'est incroyable. Incroyable. C'est bouillant. C'est dingue. C'est dingue ce qu'on a vécu. Oh là 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 là. Du coup, Épinal, Belfort, peut-être donc un tirage au sort demain qu'on fera en live à 20h45. Imaginez-vous peut-être si ces équipes se rencontrent, il y aura eu N2 potentiellement dans le dernier carré de la Coupe de France, les amis. C'est bouillant. Merci à vous encore une fois. On va passer sur l'autre match, West Ham-Liverpool, les amis. Donc merci à vous, on a été jusqu'à 1000 pour cette fin de live de ouf, franchement. Et la folie à Épinal, c'est dingue. Incroyable. Exploit. Lille éliminé par une Nationale 2, 6ème de N2. C'est fou. C'est... Je ferai un débrief tout à l'heure en tout cas. Bravo. Bravo les amis. Allez. Je vous donne le lien de Liverpool, les amis. On va se quitter là en tout cas. N'hésitez pas encore une fois les amis, hein. Allez vous inscrire sur OnePlay, l'application réseau social de football qui va sortir dans quelques jours. Donc allez mettre votre mail pour le recevoir en premier. Je vous mets évidemment le lien dans le chat si vous voulez les amis. Ici, vous m'en direz des nouvelles. C'est la Coupe de France, c'est magnifique. C'est magnifique. Et bombardez la barre des likes avant de partir les amis. Bombardez la barre des likes et abonnez-vous à la chaîne pour suivre demain Nice-Lyon et le tirage au sort pour savoir à quelle sauce va être mangé ou va manger peut-être les équipes de N2, Épinal et Belfort. Donc les amis, à demain.
Et à tout de suite pour Liverpool West Ham. Ça va être chaud aussi. Hein. C'est la J18 évidemment. Donc c'est un match en retard. Hein. Donc hop hop hop. Je vous mets le lien. Je change tout ça. On se reprend dans 2 minutes en tout cas. C'est ouf. Hein. C'est incroyable les amis. Ouais. Hier on a vécu un match de fou Angers-Rennes à 5-4. Franchement je vis des matchs de ouf en Coupe de France. Hein. Pourtant au début tu ça paye pas de mine comme ça. Mais c'est dingue. C'est dingue. Allez je vous donne hop. Ici. Dingue Épinal, tu m'étonnes. Je vous donne le lien de Liverpool les amis. On se reprend dans 2 secondes. Ici. Allez je vous dis à tout de suite. Pour Liverpool-West Ham, on en reparlera si vous voulez de ce match. Dans un quart d'heure, ça commence en plus ce match de Premier League. Merci à vous les amis encore une fois. N'oubliez pas que le football est avant tout un sport populaire. Et ça le prouve en Coupe de France. Et pas que du business évidemment. Je vous dis à très très vite pour la Coupe de France. À demain, Nice-Lyon, le dernier match. Et 20h45, on prendra l'antenne à 20h30 je pense pour tirer le sort de la Coupe de France, les quarts de finale. Avec donc ces deux exploits de Belfort et d'Épinal. Et à tout de suite pour West Ham-Liverpool les amis. Merci à tous les modos, je ne vous cite pas, mais merci à toute l'équipe de La Variole. Merci à vous les amis, ciao ciao, à tout de suite si vous voulez reparler de ça, West Ham Liverpool, sur le lien que je vous partage. Allez ciao les amis, salut 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 salut, et salut, ciao. You could be my peace sign. I don't need that energy around me.